Voici dans ta présence pour t'offrir nos cœurs comme un sacrifice agréable, saint, de bonne odeur devant le trône de ta majesté. Père, me voici dans ta présence t'offrir un chant de louange. Devant ta face, toutes mes craintes s'effacent. Mon cœur à genoux déverse mes insuffisances. Je viens, Seigneur, posséder mon cœur. Je viens. Je viens décidé à te chercher jusqu'à te trouver. Te trouver. Mon seul désir. Oui, c'est mon désir. Est de te servir. De te servir. De nourrir de ta loi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus.
Jésus-Christ est Seigneur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. À la gloire de Dieu le Père. Shalom, shalom, shalom. Shalom, famille TPS. Est-ce que vous m'entendez ce soir? Shalom, shalom. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que le son est bon? Est-ce que la connexion passe bien? Gloire à Dieu. Soyez bénis ce soir. Que le Seigneur vous fasse encore du bien. Que le Seigneur puisse encore vous visiter ce soir. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Nous disons bonsoir au Saint-Esprit. Nous donnons la première place au Saint-Esprit. Shalom, shalom. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alors s'il vous plaît, dites-nous juste d'où vous nous suivez. Voilà, mettez juste d'où vous nous suivez. Est-ce que vous êtes... Voilà, dans quel pays vous êtes? Vous êtes en France, vous êtes au Maroc? Écrivez juste le pays pour que je puisse voir à peu près. Gloire à Dieu. Merci Seigneur, voilà. Écrivez un peu pour que je puisse voir d'où vous nous suivez. Merci Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Ok, dites-moi si d'où vous nous suivez, dites-moi d'où vous nous suivez, d'où vous me suivez maintenant. Shalom, shalom, gloire à Dieu. Alléluia. Tunisie, waouh, soyez bénis. Suisse, Lubumbashi, waouh, waouh. La France, Gabon, Toulouse, que le Seigneur vous bénisse. L'Italie est là, Cameroun. France, Gabon, Suisse en tout cas, Angers, Brazzaville, soyez bénis. Liban, ok, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, voilà la France, le Gabon en force, hein, le Gabon, voilà. Vite juif, Guinée équatoriale, le Maroc est là. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui êtes au Maroc. Strasbourg, ok, sois béni. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Shalom Sam. Allemagne, l'Allemagne est là. La Belgique aussi est là. Le Sénégal est là, gloire à Dieu. Merci. La Mauritanie, gloire à Dieu. La Côte d'Ivoire. Mulhouse, voilà. Merci Seigneur, merci Jésus. L'Italie, gloire à Dieu, gloire à Dieu. La Suisse, l'Angleterre. Soyez bénis du côté de l'Angleterre. Le Koweït aussi est là, gloire à Dieu. Abidjan, ok. Merci Jésus. Metz, l'île de la Réunion, la Hollande, Néderlandes, ok. Soyez bénis. Londres,
Voilà, Angèle aux Pays-Bas, ok. La RDC, soyez bénis. Le Finistère, la France, Abidjan, ok. La Grèce, Dunkerque. Le Cameroun aussi est là, gloire à Dieu. La Île-et-Rose. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. La Grèce, ok. Merci Seigneur, soyez bénis. Le Mans aussi est là. Merci Seigneur. Cherbourg, ok. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Soyez bénis vraiment, que le Seigneur vous bénisse. L'Afrique du Sud, waouh, l'Afrique du Sud. Kigali, le Rwanda est là. Soyez bénis aussi du côté du Rwanda. La Normandie, gloire à Dieu. Waouh. Alors partageons la vidéo. L'Angola, l'Angola, ok. Pointe-Noire, waouh. Sois béni du côté de Pointe-Noire. Narbonne, ok. Valenciennes, gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus. Alors on partage la vidéo, s'il vous plaît, partageons la vidéo. Merci Seigneur, merci Seigneur. Waouh, donc l'Italie, il y a quand même du monde hein, du côté de l'Italie. Que le Seigneur vous bénisse. Partageons, 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 gloire à Dieu. Voilà, la ville de Lyon aussi est là. Gloire à Dieu, merci Seigneur. L'Espagne, sois béni du côté de l'Espagne. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, alléluia. Merci Jésus. Alors nous partageons la vidéo, nous invitons des amis à se connecter rapidement et nous commençons notre session de prière. Gloire à Dieu. Je vais prier le Seigneur et nous allons commencer notre session. Voilà, je ne vois pas la Guadeloupe. La Guadeloupe, la Martinique, Haïti, je ne vois pas. Je ne sais pas si c'est par rapport au décalage de l'heure. En tout cas, famille TPS du côté de la Guadeloupe, Martinique. Je sais que nous sommes beaucoup suivis aussi en Guyane. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà. Soyez bénis, vous qui êtes dans les îles. Que le Seigneur vous bénisse. Destin Rose, tu n'as pas écrit. République Dominicaine. Sois béni. Voilà. Nigeria. Ok, le Nigeria. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus. Waouh. Gloire à Dieu. La famille TPS est très large, elle est très grande. Nous bénissons le Seigneur pour cette grâce qu'il nous accorde de nous retrouver sur cette plateforme qui est là. Ok, la Guyane est là. Que le Seigneur te bénisse. Gloire à Dieu. De nous retrouver sur cette plateforme qui est la tour de prière Semeur. Brazzaville aussi est en force. Oh, la Guadeloupe maintenant sort. Voilà. La Guadeloupe est là. Bon Dieu béni où? Gloire à Dieu. Lyon est toujours là. Voilà. Merci Seigneur Jésus. Ok. Oh, la Guadeloupe commence. Voilà, ça commence à sortir. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Gloire à Dieu. Alors, je vais prier le Seigneur et nous allons commencer notre session de ce soir. Merci Jésus. Prions le Seigneur. Gloire à Dieu. Tendre Père, nous te bénissons encore. Merci de nous permettre encore d'être devant le trône de ta grâce ce soir. Seigneur, merci. Car c'est un privilège pour nous, Seigneur, de venir devant ton trône. Merci Père de nous accorder cette grâce de nous accepter, de nous accorder cette grâce de nous recevoir, Seigneur, devant le trône de ta grâce encore ce soir. Nous te bénissons Père, ô Dieu, parce que nous savons que tu nous as déjà fait du bien avant même que nous n'ouvrions la bouche, car tu sais déjà ce pourquoi, Seigneur, nous sommes devant toi. Tu sais déjà, Seigneur, ce à quoi nous allons venir te parler. Ce pourquoi nous allons venir, Seigneur, te parler. Tu connais déjà les sujets de prière avant même que nous ne commencions la prière. Nous te disons merci, Seigneur. Merci pour le souffle de vie encore une fois. Merci de nous avoir préservés depuis la dernière session jusqu'à maintenant. Seigneur, merci car nous nous approchons du trône de ta grâce avec assurance ce soir, car nous savons que tu vas encore nous faire du bien. Saint-Esprit, prends le contrôle de cette session et que tu règnes et que tu puisses t'asseoir encore sur le trône de nos cœurs. Saint-Esprit, que tu prennes la première place dans les vies, dans les cœurs. Saint-Esprit, que tu conduis cette session de prière et que tout soit pour ta gloire, que tout soit pour la gloire du Seigneur Jésus. Oui, Saint-Esprit, que tu puisses encore régner, que tu puisses encore agir dans le nom de Jésus. Père, nous prions encore ce soir que tu puisses nous faire du bien et que, Père, tu puisses encore détacher ceux qui sont encore attachés dans un certain domaine de leur vie. Que tu puisses, Seigneur, détacher une fois pour toutes, définitivement, quelqu'un, Seigneur, qui se bat encore avec
avec un lien, qui se bat encore avec des souffrances, qui se bat encore avec quelque chose, Seigneur, qui dérange sa vie, dans le nom de Jésus. Que tout soit pour ta gloire, Seigneur, et que tu puisses encore te manifester comme tu veux, comme tu le veux, de la manière dont tu le veux, dans le nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen, 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 Amen. Gloire à Dieu. Alors, nous sommes toujours dans notre sujet que nous avons reçu de l'homme de Dieu. Couper et détacher le fil qui me bloque. Amen. Couper et détacher le fil qui me bloque. Et ce soir, nous avons un sous-thème. Notre sous-thème, c'est aller au village dans la prière. Écris avec moi, aller au village dans la prière. Gloire à Dieu. Aller au village dans la prière. Notre thème principal, c'est couper et détacher le fil qui me bloque. Et le sous-thème de ce soir, c'est aller au village dans la prière. N'oublions pas, bien-aimés, que nous sommes dans notre session de la guerre de minuit et que la prière du soir est la prière de la guerre. La prière du soir est la prière du combat spirituel. Alors ce soir, nous voulons aller au village dans la prière. Vous allez comprendre de quoi je parle bientôt. Nous voulons aller au village dans la prière et nous voulons rentrer dans une prière de combat spirituel en allant au village. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alors nous allons lire notre texte de base. Avant même que je ne lise le texte de base, s'il vous plaît, est-ce que nous avons partagé la vidéo? Partagez la vidéo, partagez la vidéo. Moi-même, j'ai oublié de partager. Vous vous rendez compte? Je dois partager la vidéo. C'est très important. Donc, laissez-moi le temps de partager la vidéo. Je dois partager la vidéo. Partageons, bien aimé, c'est très important parce que des fois, YouTube ne donne pas les liens et les gens cherchent le lien sans le trouver. Donc, nous voulons partager. Voilà. Donnez-moi 30 secondes, je partage aussi. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà. Partageons. Partagez dans le groupe Telegram, les modératrices ou encore les frères et sœurs. Partageons, partageons. Pour permettre aux autres de voir le lien très facilement. Gloire à Dieu. Alléluia, alléluia. Voilà. Voilà. Que le Seigneur te bénisse, toi qui partages la vidéo. Que le Seigneur te fasse du bien. Toi qui as partagé, sois béni. Toi qui veux partager, que le Seigneur te bénisse aussi. Gloire à Dieu. Ok, bon. Gloire à Dieu. Partageons, nous partageons, nous partageons. Voilà. Ok. Gloire à Dieu. Alors, notre thème, c'est aller au village dans la prière. Nous allons lire notre texte de base qui est dans Luc 19 à partir du verset 29. Gloire à Dieu. La Bible déclare ceci. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne appelée Montagne des Oliviers. Jésus envoya deux de ses disciples en disant, « Allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché, sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui répondrez, le Seigneur en a besoin. Gloire à Dieu. Nous connaissons ce texte, bien aimé, nous l'avons lu depuis le matin, nous l'avons lu encore à midi, le soir encore à 17h et maintenant nous le lisons encore. Alléluia. C'est l'histoire du Seigneur avant qu'il ne rentre dans Jérusalem. Il envoie donc deux de ses disciples à aller dans le village de Bethphagée. Alléluia. Il dit à ses disciples d'aller au village qui était en face et d'aller prendre un ânon qui était attaché. Et sur cet ânon,
Cet anneau avait plutôt une particularité, c'est qu'aucun homme n'était encore monté sur lui. Alléluia. Il dit ceci, c'est là où va se baser notre prière de ce soir, le verset 30, en disant, « Allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. » Alléluia. Gloire à Dieu. Bien-aimé, des fois, ta vie est comme la vie de cet anneau. Des fois, ta vie peut ressembler, peut être assimilée à cet anneau. L'anneau était dans le village, mais l'anneau était attaché. L'anneau n'était pas en liberté. Alléluia. Et Jésus n'était pas rentré dans le village, mais Jésus a envoyé ses disciples. En réalité, comme je l'ai dit à midi, le Seigneur, dans sa capacité prophétique, a vu que dans ce village, il y avait un anneau qui était attaché et sur cet anneau, aucun homme n'était encore monté. L'anneau était un anneau innocent, un anneau qui n'avait pas encore porté un humain, un anneau qui était donc simple, alléluia, un anneau qui était innocent. Et le Seigneur a envoyé ses disciples avec des précisions, avec l'exactitude de dire, vous irez à tel endroit, il y a un anneau qui est attaché dans ce village. Alléluia. Bien-aimé, des fois, dans ta vie, tu peux avoir des liens. Tu peux être attaché quelque part. Mais en fait, ce lien a une source. Ce lien a une source. Cette source peut être ton village. Écris avec moi, la source... Plutôt, le village égale la source. Le village égale la source. Le village égale la source. En fait, le village, bien-aimé, peut représenter ta fondation. Le village peut représenter ta famille. Le village peut représenter ta maison. Le village peut représenter quelque chose ou encore des relations que tu as eues dans le passé. Le village peut représenter, bien aimé, quelque chose que où tu as eu à avoir un lien, où tu as eu à faire des alliances peut-être avec un homme, avec une femme, et cette chose-là te retient. Cette chose-là te retient. Les disciples devaient aller dans le village pour aller détacher l'anneau. Des fois, toi tu es peut-être en Europe, et que tu passes des moments difficiles, tu ne comprends pas ce qui se passe dans ta vie, mais en réalité, ta vie est attachée au village. Excusez-moi. En réalité, ta vie est attachée au village. C'est pour cela qu'il y a des personnes, bien qu'ils habitent en Europe, ils peuvent faire des rêves qui se retrouvent au village. Ils peuvent faire des rêves qui se retrouvent dans leur maison familiale. Ils peuvent faire des rêves qui se retrouvent dans leur salle de classe quand ils avaient 8 ans, 9 ans, 10 ans. Le village représente ta source. Bien-aimé, ton problème peut avoir pour base ta source. Ton problème peut avoir pour base ton village. Ton problème peut avoir pour base ton passé. Ton problème, ce que tu vis aujourd'hui, peut avoir pour base ta famille. Il fallait qu'ils aillent dans le village. Des fois, tu peux vivre des échecs. Tu vis l'échec. Tu as tout le temps des frustrations. À chaque fois, tu es frustré quelque part. À chaque fois que tu veux faire quelque chose, ça finit toujours par une frustration. Tu constates souvent, excusez-moi le mot, mais je suis obligée de le dire, tu peux constater des malchances autour de toi. Quand tu fais quelque chose, il y a comme une malchance qui te suit. Il y a comme une défaveur qui te suit à chaque fois. Et cela, ça te frustre encore. Et bien aimé, vous devez savoir, le plus frustrant, c'est quoi? Le plus frustrant dans tout ça, quand on vit des échecs, quand on vit des difficultés, quand on vit des douleurs, quand on vit des choses qu'on ne comprend pas, le plus frustrant, bien aimé, c'est quand on est enfant de Dieu. Ça nous frustre encore plus. Vous serez d'accord avec moi. C'est très frustrant d'être enfant de Dieu, d'être sauvé, d'être né de nouveau, mais de constater que des échecs dans sa vie. C'est encore plus frustrant. Ça dérange encore plus. Ça fait encore plus mal. Pourquoi? Parce que tu sais que tu es un enfant de Dieu et que tu aimes le Seigneur. Tu sais que tu es un enfant de Dieu et que Jésus t'a sauvé. Jésus est mort pour toi.
Donc, tu as le droit de vivre une vie bénie. Tu as le droit de vivre une vie épanouie. Tu as le droit de vivre une vie harmonieuse. Tu dois avoir un couple béni. Mais bizarrement, tu sens qu'il y a beaucoup d'échecs. Il y a beaucoup de frustrations. Donc, on est encore plus frustré. On est encore plus dans la douleur quand on est enfant de Dieu et qu'on vit ces choses-là. Vous serez d'accord avec moi. C'est plus difficile. Alors, on se pose la question, mais comment ça se fait que moi, je suis un enfant de Dieu et je vis encore des échecs? Comment ça se fait que moi, je suis enfant de Dieu et je vis encore des difficultés dans ma vie et je vois encore des malchances? Comment ça se fait que moi, je suis enfant de Dieu et je me bats encore pour les choses de la vie? Je me bats encore pour des petites situations. Je suis encore en train de sentir des blocages, des liens et pourtant, je suis un enfant de Dieu. Quand je lis dans Galates chapitre 3 au verset 13, Galates, ce n'est pas à l'écran, Galates 3 au verset 13. Voilà, je vais le chercher ici. Galates 3 au verset, à partir du verset 13, il est écrit ceci. Galates 3 au verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Donc, quand tu connais ces choses, que Christ t'a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous reçussions par la foi l'esprit qui avait été promis. En fait, tu sais que Jésus-Christ s'est fait malédiction à ta place. Tu sais que Jésus a porté ta douleur. Jésus a porté ta malédiction. Jésus a porté ta maladie. Jésus a tout porté. Mais pourquoi tu vis encore des choses difficiles? Pourquoi tu vis encore des échecs? Pourquoi tu vis encore des frustrations? Pourquoi tu vis encore des malchances? Pourquoi tu vis encore des liens? Pourquoi tu te bats encore? Pourquoi tu vis encore des oppressions? Pourquoi ces choses sont encore dans ta vie? On se pose les questions parce que en réalité, Jésus-Christ s'est fait malédiction à notre place. Jésus-Christ a pris notre place. Jésus-Christ nous a justifiés. Jésus-Christ a été fait malédiction. Alors nous ne pouvons plus vivre dans la malédiction. En réalité, bien-aimé, c'est ce qui est ton droit. C'est ce qui est ton héritage. Ton héritage, bien-aimé, c'est que Jésus a pris ta place. Ton héritage, bien-aimé, c'est que Jésus-Christ a pris ta maladie. Ton héritage, bien-aimé, c'est que tu as reçu la bénédiction d'Abraham en Jésus-Christ. En réalité, tu es béni. La réalité, bien-aimé, la vérité, c'est que nous sommes bénis en Christ. La vérité, c'est qu'en Jésus-Christ, nous ne sommes plus maudits. Il n'y a pas de malédiction en Christ. Mais bizarrement, tu vas commencer à vivre quand même des choses que tu ne comprends pas, des choses qui ne cadrent pas avec l'enfant de Dieu que tu es. Alors, j'aimerais te dire quelque chose aujourd'hui. Tu dois savoir quelque chose. Écoutez-moi très bien. En fait, légalement, nous sommes libres. Légalement, nous avons été délivrés de la malédiction. Légalement, nous sommes sauvés. C'est terminé, nous sommes sauvés. Jésus-Christ nous a donné notre héritage. Jésus-Christ nous a donné la liberté. Et c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Mais en réalité, vous devez savoir ceci, c'est que ce n'est pas, écoutez très bien, ce n'est pas parce que quelque chose t'appartient légalement. Ce n'est pas parce que quelque chose t'appartient légalement que tu vas vivre cette chose-là dans la réalité. Je répète encore, ce n'est pas parce que quelque chose t'appartient légalement que tu dois en fait automatiquement l'obtenir. Ce n'est pas vrai. La chose est à toi. La liberté, elle est à nous. Jésus-Christ nous a donné la bénédiction, c'est à nous. Mais ce n'est pas parce que quelque chose t'appartient légalement que tu l'obtiens naturellement. Non. Vous savez qu'il y a des gens qui sont des héritiers, mais qui sont des SDF. Héritiers. Ils sont héritiers. Sur le papier, il y a leur nom. C'est eux qui sont les héritiers. Mais tant qu'on ne les retrouve pas, tant que la personne ne sait pas qu'elle est héritière, elle peut rester SDF même pendant 10 ans. Elle a hérité des millions, mais elle ne le sait pas. Et ceux qui ont son nom sur le papier cherchent la personne. La personne peut rester SDF pendant 10 ans. La personne peut rester pauvre pendant 20 ans. Tant que
on ne la retrouve pas, il restera pauvre. En fait, juste pour vous dire, la chose t'appartient légalement. La liberté nous appartient, c'est à nous légalement. Mais des fois, on ne l'obtient pas, on ne vit pas cette liberté. Mais pourtant, elle nous appartient. C'est pour cela, vous devez connaître, j'insiste encore, vous devez connaître votre identité. Vous êtes libre en Christ. Et Dieu dit même dans sa parole que mon peuple périt faute de quoi? Faute de connaissance. Quand tu ne connais pas ton identité en Christ, quand tu ne connais pas ton héritage en Christ, tu risques de vivre comme un esclave. Tu risques de croupir encore sous les liens. Tu risques de souffrir encore. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas ton héritage. Alléluia. Parce que tu ne connais pas. Il y a une grande différence, bien-aimé, entre ce qui te revient légalement et ce que tu vis dans la réalité. Il y a une grande différence. C'est pour cela qu'il y a des chrétiens. Légalement, Jésus-Christ leur a donné la liberté. Légalement, ils sont libres. Légalement, la malédiction n'a plus le droit sur leur vie. Mais bizarrement, dans la réalité, ils vivent des choses qui ressemblent à la malédiction. Dans la réalité, ils sont encore attachés. Dans la réalité, il y a encore des liens. Dans la réalité, il y a encore des choses. Donc, tu peux être héritier, mais vivre comme un pauvre. Tu peux être héritier, mais pauvre. Tu peux être riche, mais vivre comme un pauvre, oui. Tu peux avoir le droit à la guérison. Tu dois être guéri, mais tu vis encore dans la maladie. Pourquoi? Par manque de connaissances. Pourquoi? Parce que les gens ne revendiquent pas leur liberté. Tu dois revendiquer ta liberté. Tu dois déclarer ta liberté. Tu dois dire que tu es libre. Tu dois refuser ce que le diable est en train de t'imposer. Parce que Jésus a déjà payé le prix. En réalité, la liberté, elle est à toi. En réalité, la bénédiction est à toi. En réalité, tu dois vivre une vie bénie. Ça, c'est la réalité de ta vie. Légalement, c'est pour toi. C'est déjà acté. Jésus a déjà signé avec son sang précieux. C'est pour toi. Mais pourquoi tu vis encore dans les problèmes? Pourquoi tu vis encore dans les liens? Pourquoi il y a encore des domaines qui sont contrôlés dans nos vies? Pourquoi? Nous devons nous poser la question, pourquoi? Parce que il y a peut-être des liens qui sont dans le village. Comprenez-moi très bien, le village, la source, la famille, la maison familiale, le passé, qui te réclament encore aujourd'hui. Pourquoi ces liens te réclament? Parce que tu ne les as jamais coupés. Parce que tu n'as jamais renoncé à ces liens. Parce que tu n'as jamais dit non à ces liens. Et ça te suit, ça continue à te réclamer. En réalité, Jésus a déjà payé le prix pour toi. Jésus t'a déjà donné la liberté. Jésus est déjà mort à la croix pour toi. Il s'est fait malédiction pour toi. Il t'a racheté de la malédiction. Mais tu vis encore la malédiction. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui te réclament dans ton passé. Il y a des choses qui te réclament au village. Il y a des choses qui t'ont attaché au village. Nous allons voir quelques caractéristiques qui vont nous aider à comprendre. Alléluia. Nous allons voir quelques caractéristiques qui vont nous aider à comprendre ce pourquoi je suis en train de dire cela. Gloire à Dieu. Nous allons voir quelques caractéristiques. Quand je parle de ton village bien-aimé, c'est ton passé. Quand je parle de ton village bien-aimé, c'est d'où tu viens. Quand je parle de ton village, c'est quelque chose qui te réclame dans ton passé, quelque chose qui réclame ta vie pour laquelle tu n'as pas renoncé. Pour laquelle tu n'as pas renoncé. Exemple, je retourne l'exemple, même dans, comme j'avais parlé quand on faisait les 50 nuits de prière, je retourne l'exemple à la naissance. Bien-aimé, si tes parents ont consulté des féticheurs avant ta conception, pour t'avoir, les parents ont consulté des féticheurs, les parents ou ta mère a pris des choses pour qu'elle puisse tomber enceinte, elle a dû prendre des choses qu'on lui a données. Bien-aimé, il y a un lien qui va te réclamer. Tu dois renoncer à ça. Si tu es au courant de ça, tu dois renoncer à ça. Tu dois refuser ça. Tu dois couper ce lien. Sinon, quelque chose va te réclamer dans ton village. Quoi que tu es en train de prier, quoi que tu es en train de faire tout ce que tu as à faire, mais cette chose-là te réclame. Cette chose-là, à chaque fois, crie sur toi. Tu dois refuser cela. Quand tu connais la vérité, tu dois couper ce lien. Quand tu connais la vérité, tu dois renoncer à ce lien. Alléluia. Si tu ne renonces pas, ce lien risque de te coller, en fait. Ce lien risque, à chaque fois, de te réclamer. Tu dois refuser cela dans le nom de Jésus. Tu dois rompre ce lien. C'est très important.
Tu dois rompre ce lien. Alléluia. Ou encore, bien-aimé, peut-être que dans ta vie, là où tu as grandi, dans ta famille, vous avez un Dieu. Si dans ta famille, il y a un Dieu, dans ta famille, on adore des collines, on adore des rochers, on adore des arbres, on adore un aliment, on adore une source, en tout cas, n'importe quoi. Mais toi, tu n'as pas renoncé à cette chose-là. Dans la prière, tu n'as jamais dit, au nom puissant de Jésus, je renonce à ce rocher que ma famille adore. Je renonce à cette source que ma famille considère comme un Dieu. Je détruis cela dans le nom de Jésus dans ma vie. Je renonce à cela. Quand j'étais enfant, je croyais à cela. Maintenant que je connais la vérité, je renonce à cela dans le nom de Jésus. Tu dois renoncer. Il y a des choses auxquelles tu dois renoncer pour que tu puisses vivre une vie libre. Pour que tu puisses vivre une vie remplie de liberté. Pour que tu puisses jouir de la liberté que Jésus t'a donnée. Alléluia. Tu dois renoncer aux liens qui peuvent te réclamer dans le village. Tu dois renoncer aux liens qui peuvent t'attacher dans le village. Je prends exemple, un autre exemple. Imaginez-vous que vous aviez un petit copain. Un petit copain dans le passé. Et avec ce petit copain, vous avez fait des pactes de sang. Donc, tu as sucé le sang du garçon. Le garçon a sucé aussi ton sang. Vous avez dit que non, on ne va jamais se séparer. Mais finalement, la vie faisant avec tout ce qui se passe, vous vous êtes séparés. Vous êtes séparés, mais toi, tu n'as jamais renoncé à cela. Tu n'as jamais renoncé à ce pacte que tu as fait avec ce garçon. Tu n'as jamais renoncé, même si tu étais enfant. Mais quand tu te souviens de ça, tu dois renoncer. Parce que si tu ne renonces pas à ce pacte peut te réclamer. Tu pries, oui. Tu aimes Dieu, oui. Tu es un chrétien fervent, oui, mais il y a quelque chose qui te réclame, qui t'a attaché parce que tu n'as pas coupé ça, parce que tu ne t'es pas détaché de ça, parce que tu n'as pas renoncé à ça. Tu dois renoncer à ça dans la prière et tu vas voir que si tu renonces à ça, beaucoup de choses vont s'arranger dans ta vie. Imaginez-vous, vous avez fait une alliance avec ce garçon. Tu as sucé le sang du garçon, le garçon aussi a sucé ton sang. Et tu as dit que je ne te quitterai jamais. Lui aussi, il a dit je ne te quitterai jamais. Ce monsieur-là, où il est parti, il vit dans une vie de galère. Il vit dans une vie difficile. Ne t'inquiète pas, toi aussi, tu vivras la même chose. Vous allez être comme des jumeaux. Ce que lui va vivre, c'est ce que toi, tu vas vivre. Lui, il galère, toi aussi, tu vas galérer. Il n'y a rien qui va dans sa vie, il n'y a rien qui ira dans sa vie. Lui, il ne se marie pas, toi aussi, tu ne vas pas te marier. Parce que vous avez fait une alliance ensemble. Tant que tu ne brises pas cette alliance risque de te suivre. Et après, tu te poses la question, pourquoi je ne me marie pas? Pourquoi je ne me marie pas? À chaque fois que j'ai quelqu'un, on dirait que la personne trouve un dégoût, il s'en va. Mais souviens-toi des choses que tu as pu faire qui peuvent t'attacher au village, qui peuvent t'attacher dans ton passé, qui peuvent t'attacher dans ta source. Tu dois renoncer à cela dans le nom de Jésus. Alléluia. Vous devez renoncer à cela. En fait, il faut renoncer à chaque déclaration que vous avez faite avec le monsieur. Tu dois renoncer à cela pour que tu puisses rentrer dans une délivrance totale. Renoncer aux idoles de famille, renoncer même au caractère de famille. Le fait que dans une famille, il y a un caractère dominant. Dans une famille, c'est les femmes qui dominent. Les hommes ne dominent pas, il n'y a que les femmes qui dominent. Dans cette famille-là, c'est les femmes qui sont dominantes. Les hommes ne sont jamais rien, ne disent jamais rien. C'est les femmes qui contrôlent. Tu dois renoncer à cela. Parce que si tu ne renonces pas à cela et que toi tu es une femme, tu es dans cette famille, tu es dominatrice, tu risques d'avoir du mal à être dans le mariage. Tu dois renoncer à cet esprit qui fait que les femmes doivent toujours dominer sur les hommes dans votre famille. Tu dois renoncer à cet esprit qui fait que les hommes dans votre famille, vous les hommes, vous êtes, en fait, vous ne dites jamais rien, vous êtes laxiste, il n'y a rien, la femme doit vous marcher dessus. Il faut renoncer à cela, il faut refuser cela. Il faut couper ce lien parce que ce lien peut vous réclamer. Cela peut vous réclamer. Allez dans le village. Allez dans le village et vous trouverez un anon. Détachez-le. Il y a des personnes qui sont détachées dans le village. C'est pour cela qu'il faut aller dans le village en prière et aller détacher tout lien qui peut te réclamer. Alléluia. Allez détacher tout lien qui peut réclamer ta vie. Exemple, bien-aimé, il y a aussi des familles où on garde des objets traditionnels pour l'adoration. Dans ta famille, il y a peut-être des objets traditionnels.
il y a des fétiches ou encore des hôtels ou encore, je ne sais pas, des marmites ou encore en trois quelque chose. Pour vous, dans votre famille, cette chose-là a une importance capitale. Vous devez avoir cette chose-là. Tu dois renoncer à cela. Alléluia. Tu dois renoncer. Tu dois renoncer aux idoles de famille. Tu dois renoncer aux mauvaises alliances de famille. Tu dois renoncer ce que ta famille appelle Dieu. Toi, tu dois renoncer à cela. Dans la prière, tu dois couper le lien entre toi et cette idole. Tu dois couper le lien entre toi et ce fétiche. Tu dois couper le lien entre toi et cette chose. Tu dois couper le lien. Si tu ne coupes pas, ça risque de t'attacher. Tu es attaché où? Au village, dans ta source. Tu dois refuser cela dans le nom de Jésus. Alléluia. Tu dois refuser cela. Parce que vous devez savoir que, bien aimé, une famille peut apporter la bénédiction comme elle peut aussi apporter la malédiction. Une famille qui apporte la malédiction est une famille qui est contrôlée par un esprit, qui est contrôlée par une idole, qui est contrôlée par un fétiche, qui est contrôlée par un homme fort. Alors tu dois renoncer à ça. Tu dois te détacher et déclarer que toi, tu n'es soumis qu'à Jésus-Christ. Tu n'es soumis qu'à l'autorité de Jésus-Christ et l'autorité de personne d'autre, qu'à l'autorité de Jésus-Christ. Tu n'es soumis que sous l'autorité de Jésus-Christ. Tu dois déclarer cela. Je suis soumis à l'autorité de Jésus-Christ. Jésus-Christ est mon Dieu. Jésus-Christ est mon Seigneur. Jésus-Christ est mon Roi. Je renonce aux autres dieux que ma famille m'a montrés. Je renonce à toute alliance que ma famille a faite. Je renonce. Tu dois renoncer à cela. C'est très important. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est pour cela que, bien aimé, vous pouvez constater, vous pouvez voir, il y a aussi des familles... Il y a aussi des familles qui sont liées dans la polygamie. Exemple, si ton père avait beaucoup de femmes, 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes, fais attention parce que si tu es, toi tu es un homme, tu risques toi aussi de reproduire la même chose. Si tu es une femme, tu risques de rentrer dans un mariage où tu seras 2e bureau, 3e bureau, en plus écoutez le nom, bureau. 2e bureau, 3e bureau, 4e bureau. Tellement tu ne peux pas trouver un homme à toi. Et les hommes qui cherchent à être avec toi sont des hommes qui ont déjà une femme. Jamais un homme qui n'a pas de femme vient t'aimer. Il n'y a qu'un homme qui a déjà une femme, qui a déjà 2 femmes, qui vient te voir. Et finalement, tu te dis, bon, au lieu de rester comme ça, j'accepte seulement. Peut-être qu'un jour, je resterai toute seule. Finalement, tu rentres dans un mariage polygame. Il faut refuser cela dans le nom de Jésus. Alléluia. Il faut refuser cela. Alors, bien-aimé, pour connaître sa source, pour connaître où est-ce qu'on est attaché, dans quel village on est attaché, pour bien reconnaître, vous devez vous poser une question. Posez-vous la question déjà de savoir, est-ce qu'il y a un problème récurrent dans ma famille? Est-ce qu'il y a un problème récurrent dans ma famille? C'est-à-dire quelque chose qui revient toujours. Est-ce qu'il y a une maladie récurrente dans ma famille? Est-ce qu'il y a un caractère récurrent dans ma famille? Est-ce qu'il y a quelque chose? Vous devez faire un diagnostic, vous pouvez le faire. Vous n'avez pas besoin de prophétie. Dès que vous regardez, vous faites un diagnostic dans votre famille. Quel est le caractère dominant dans ma famille? Quel est le problème récurrent dans ma famille? Quelle est la maladie récurrente dans ma famille? Qu'est-ce qui revient souvent dans ma famille? Dans les membres de ma famille, commencez à regarder. Vraiment regarder, commencez à penser. Qu'est-ce qui se passe dans ma famille? Est-ce que dans votre famille, les gens se marient? Est-ce que dans votre famille, les gens ont du travail facilement? Est-ce que dans votre famille, les gens sont stables? Est-ce que dans votre famille... les gens sont en bonne santé. Est-ce que? Il y a des familles qui sont contrôlées par l'esprit de folie. L'esprit de folie, c'est-à-dire les gens ne sont pas stables. Les gens ont comme des troubles faciles. Vous allez trouver des problèmes mentaux, des problèmes de troubles, des problèmes de folie. C'est un esprit qui contrôle la famille. Il y a des familles qui sont contrôlées par des esprits de chômage. Personne ne travaille. Il y a des familles qui sont contrôlées par des esprits de vagabondage, c'est-à-dire où les gens sont très, très, très frivoles. Ont une vie sale, immorale. Les frères, les sœurs, tout le monde, personne n'est stable. Donc chacun a une vie, vraiment une vie sale. Il y a un esprit contre cette famille. Vous devez renoncer, vous devez couper le fil, vous devez couper la corde qui vous retient, vous, à cette chose-là. Vous devez couper, vous devez renoncer. Vous devez dire que moi, je sors de ce lien. Moi, je coupe ce lien. Dans ma vie, je coupe ce lien dans le nom de Jésus. Je renonce à ce lien au nom de Jésus. Je renonce à ce caractère au nom de Jésus. Je renonce à cette vie dans le nom de Jésus. Vous devez faire le bilan. Alléluia. Vous devez faire le bilan. Il y a des familles où tout le monde a mal à la tête. Le frère a mal à la tête, la soeur a mal à la tête. Donc souvent des maux de tête qui reviennent. C'est un esprit, ce n'est plus normal. C'est un esprit qui contrôle. Quand c'est quelque chose qui tout le temps revient, qui est récurrent,
c'est que il y a un problème spirituel qui est derrière. Il faut couper le lien, il faut couper, il faut détacher la corde qui peut vous retenir. Je répète encore, Jésus a payé le prix. Légalement, la liberté, elle est à toi. Légalement, tout est à toi. Mais il y a des choses qui peuvent te réclamer et qui font que tu vis encore comme un esclave. Il y a des choses, il y a des liens qui peuvent te réclamer et qui font que malgré que tu aimes le Seigneur, malgré que tu es un chrétien fervent, mais tu sens encore des choses qui te réclament, tu sens encore des combats, tu sens que ta vie n'est pas fluide, tu sens qu'il y a des choses qui ne vont pas. Ou encore, voilà, comme a écrit ici la modératrice, peut-être l'alcool. Il y a des familles contrôlées par l'alcool. L'ivrognerie, c'est un esprit. Il faut refuser cela. Il faut détruire cela dans le nom de Jésus. Alléluia. Dis avec moi, je refuse au nom de Jésus. Je renonce à tout ce qui contrôle ma famille dans le nom de Jésus. Je renonce à cela au nom puissant de Jésus. Renonce à cela dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Vous pouvez aussi faire un examen par rapport à vos finances. S'il y a quelque chose qui vous attache, vous pouvez aussi voir par rapport aux finances. Alléluia. Par rapport aux finances, posez-vous la question, est-ce que vous devez de l'argent à quelqu'un? Est-ce que vous devez de l'argent aux gens ou à quelqu'un? Et pensez, commencez à penser à votre vie. Quand vous devez de l'argent à quelqu'un, est-ce que vous avez la facilité de rendre cet argent? Est-ce que vous avez la facilité de rendre? Est-ce que c'est difficile pour vous de payer vos dettes même quand vous avez de l'argent? Si c'est difficile pour toi de payer tes dettes même quand tu as de l'argent, c'est qu'il y a un problème. Il y a un lien qui t'attache, il y a quelque chose. Et ce lien va te réclamer. Ce lien va t'empêcher de vivre la liberté complète que Christ t'a donnée. Ce lien va t'empêcher de rentrer dans la bénédiction que Jésus t'a donnée. Tu dois de l'argent facilement, mais tu rembourses difficilement. Il y a un lien. C'est qu'il y a un lien quelque part, il y a un problème. Tu dois couper ça au nom de Jésus. C'est le lien des problèmes financiers. C'est le lien des dettes. Tu empruntes de l'argent facilement, avec joie, mais au moment de rembourser, tu ne veux plus. Au moment de rembourser, on doit te courir après. Au moment de rembourser, les gens doivent venir même 10 fois chez toi et pourtant tu as l'argent, mais tu n'as pas envie de rembourser. C'est un esprit. Alléluia. Si vous répondez oui à cette question, ça veut dire que vous êtes lié. Vous devez demander à Dieu de détacher ce lien, le lien des dettes. Vous êtes lié parce que vous avez l'argent, mais vous ne voulez pas rembourser. Malgré que vous avez l'argent, vous ne voulez pas rembourser. Renoncez à cela dans le nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Ou encore, bien-aimé, peut-être quand vous travaillez très dur. Peut-être que vous travaillez très dur. Vous travaillez beaucoup. Il y a des gens qui ont 3 boulots, 4 boulots, 5 boulots, 2 boulots, qui travaillent beaucoup, qui travaillent comme des malades, qui travaillent vraiment, eux, c'est le travail. Matin, travail, midi, travail, tout travail. Peut-être que vous travaillez beaucoup. Mais si, malgré que vous travaillez beaucoup, vous gagnez très peu, il y a un lien quelque part. Il faut détacher ça au nom de Jésus. Parce qu'une personne qui travaille beaucoup doit gagner beaucoup. Mais vous, vous travaillez beaucoup, vous gagnez très peu. C'est qu'il y a un lien quelque part. Ça peut être, bien aimé, le lien de la pauvreté. Il faut détacher cela au nom de Jésus. Il faut quitter, il faut briser cela. Brise le lien de la pauvreté dans ta vie, dans le nom de Jésus. Ou encore le lien du travail stérile. Tu travailles, mais c'est stérile. Ça ne donne pas, il n'y a pas de récompense. Il n'y a pas de salaire. Tu ne vois rien. C'est stérile. Alors, il faut renoncer à cela dans le nom de Jésus. Il faut briser le lien de la pauvreté, briser la malédiction de la pauvreté, briser le travail stérile dans le nom de Jésus. Bien-aimé, lorsque vous constatez aussi, c'est un diagnostic que je fais avec vous rapidement pour que vous puissiez comprendre. Lorsque vous constatez aussi, vous avez du mal à payer vos dîmes. Ça, c'est très important. Quand vous avez du mal à payer vos dîmes, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu as du mal à payer ta dîme. À chaque fois, tu as du mal, même quand tu as l'argent, mais tu veux bien donner, mais à chaque fois, il y a un truc qui vient. Attention, tu dois couper ce lien. Il y a quelque chose qui te retient. Parce que la dîme libère tes bénédictions. Parce que la dîme ramène la protection sur tes finances. Parce que la dîme parle pour toi, mais tu n'arrives pas à donner ta dîme, même un peu seulement. Tu n'arrives pas, bien aimé, tu dois demander la délivrance. Tu dois prier que tu puisses être détaché, que le lien soit détaché. Tu es attaché quelque part, attaché à un esprit de pauvreté. Parce que quand on ne donne pas la dîme, c'est-à-dire on accepte l'esprit de pauvreté sur notre vie.
Il faut refuser cela dans le nom de Jésus. Et je prie qu'à partir d'aujourd'hui, que tu sois capable de donner ta dîme, même si c'est un peu, même si c'est peu, mais tu donnes ta dîme, tu payes ta dîme et tu le fais avec joie. Si tu ne le fais pas avec joie, c'est qu'il y a aussi un lien qui est là. Le lien de la pauvreté. Il y a un lien qui est là. Il y a une malédiction qui veut te suivre. En donnant ta dîme, bien-aimé, tu brises beaucoup de choses. Mais quand tu n'arrives pas à donner ta dîme alors que tu travailles, tu n'arrives pas à donner ta dîme, il y a un problème. Alléluia. Il y a un problème. Ça demande que tu dois rentrer dans la repentance et demander au Seigneur la capacité de, pour toi de donner ta dîme. C'est très important. Alléluia. Ou encore, bien-aimé, des fois, là je parle des finances, des fois, si vous avez du mal à financer l'œuvre de Dieu, pose-toi la question, est-ce que mes finances contribuent dans l'œuvre de Dieu? Est-ce que mes finances, pose à toi-même et réponds à toi-même, est-ce que mes finances contribuent à l'œuvre de Dieu? Est-ce que je suis capable de donner pour l'œuvre de Dieu? Si tes finances ne contribuent pas à l'œuvre de Dieu, fais attention, parce que cela bloque ta prospérité. Donc il y a un lien, tu risques de créer un lien. Qui va bloquer ta prospérité? Qui va bloquer ta prospérité financière? Tu dois apprendre à donner pour l'œuvre de Dieu. Pose-toi aussi la question, est-ce que j'ai la capacité de donner aux nécessiteux? Est-ce que je donne à ceux qui ont besoin? Peut-être autour de toi, il y a des gens qui sont dans le manque, des gens qui souffrent. Est-ce que tu as la facilité de donner aux gens qui souffrent autour de toi? Si tu n'as pas cette facilité aussi, demande au Seigneur de t'aider. Parce que c'est des choses qui ouvrent la porte de la bénédiction dans ta maison. C'est des choses qui ouvrent la porte de la prospérité dans ta vie. C'est des choses qui ouvrent la porte de la bénédiction dans ta vie. Ce n'est pas des choses à négliger. C'est des petites choses qui peuvent t'attacher. Retourne au village dans la prière. Pourquoi tu as l'esprit d'égoïsme? Retourne au village dans la prière. On peut t'injecter l'esprit d'égoïsme pour que tu ne sois pas béni. On peut t'injecter l'esprit d'égoïsme pour bloquer ta prospérité. Parce que toi-même, tu crées un lien. Légalement, tu es béni. Jésus t'a déjà donné la liberté. Jésus t'a donné la bénédiction. Il a pris ta malédiction. Il t'a béni. Mais toi-même, à cause de tes agissements, tu crées encore des liens. Tu es encore attaché quelque part. Tu t'attaches encore toi-même. Il faut refuser cela dans le nom de Jésus. Alléluia. Refuse cela au nom puissant de Jésus. Il y a d'autres personnes bien-aimées qui sont liées à cause de quoi? À cause des fétiches. Si tu as eu à consulter des féticheurs, ces féticheurs t'ont donné des choses, des cordes, des parfums, des choses comme ça. Mais tu pries, tu es maintenant enfant de Dieu. Tu n'as jamais jeté ces choses qu'on t'avait données. Tu n'as jamais jeté les parfums magiques. Tu n'as jamais jeté les poudres magiques. Tu n'as jamais jeté ces choses. Tu les gardes dans ta maison. Tu as même peut-être oublié. Tu les gardes dans ta maison. Pour toi, c'est ta vie passée. Bon, c'est là. Bien-aimé, tu dois renoncer. Tu dois te détacher de ces choses. Tu dois les jeter. Tu dois les brûler. Tu dois faire une séparation totale. Totale entre toi et ces choses, alors tu vas vivre la liberté. Tu vas maintenant jouir de cette liberté que Jésus t'a donnée. Mais tant que tu ne le fais pas, tu risques d'être toujours lié. Lié où? Au village. Quel village? Les pratiques que tu as faites dans le passé. Tu avais pris des poudres magiques, tu avais pris des fonds de teint magiques, tu avais pris des parfums magiques, tu avais pris des feuilles magiques pour que tu puisses avoir de l'argent si tu es un homme, tu avais pris des parfums magiques pour que tu puisses avoir du succès, mais ces choses, tu ne les as jamais jetées. C'est encore dans ta maison. Ces choses vont te réclamer, quoi que tu pries. Ces choses vont te réclamer. Tu dis, Seigneur, je brise tout ce qui me réclame, tout ce qui... Oui, mais en réalité, tu n'as pas sorti ça de chez toi. Tu n'as pas jeté ça. Tu n'as pas brûlé ça. Ça risque de te réclamer. Il y a des choses qui te réclament dans le village. Il y a des choses qui te réclament dans ton passé. Il y a des choses qui te réclament. Tu dois renoncer à cela. Tu dois couper le fil. Tu dois couper les liens au nom de Jésus. Le village représente aussi, bien aimé, des personnes avec qui vous étiez liés hier, les liens d'âme. Imaginons que vous êtes marié, mais dans votre mariage, pendant que vous êtes marié, vous avez trompé votre femme. Pendant que vous êtes marié, vous avez trompé votre mari. Sachez que, je sais qu'il y a que des adultes ici, hein, sachez que vous êtes parti avec cette personne. Vous avez eu des rapports ensemble. Il y a des paroles que tu as sorties dans ta bouche. Il y a des choses que vous avez dites. Ces choses vont vous lier à ces personnes-là. Même si c'est fini. Tu dis c'est fini. De toute façon, moi, avec cette fille, c'est fini. De toute façon, moi, avec cet homme, c'est fini. C'était juste une erreur, voilà. Mais entre-temps, ce que tu as dit pendant l'acte te garde lié. Tant que tu ne renonces pas à ça dans la prière.
Tant que tu ne renonces pas, tant que tu ne rejettes pas, tant que tu ne coupes pas le fil, ça peut te suivre. Tu as dit, je ne te laisserai jamais. Tu as dit, ça sera toujours toi. Personne d'autre que toi. Et tu vois, tu rentres chez toi, tu n'arrives plus. Tu rentres chez toi, il n'y a plus rien qui marche. Depuis que tu étais parti dehors, toi et la fille, c'est fini. Mais tu rentres chez toi, ça ne marche pas. Pourquoi? Tu avais donné une parole. Et cette parole-là te suit. Cette parole-là devient un lien. Ça devient un lien. Il faut refuser cela dans le nom de Jésus. Il faut renoncer. Écoutez, je vous donne un exemple simple pour que vous puissiez comprendre encore. Imaginons que vous êtes divorcé. Amen. Vous pouvez être divorcé sur le papier. Divorcé à la mairie, on a signé le divorce, vous êtes divorcé. Mais en réalité, tant que vous ne renoncez pas au lien d'âme spirituellement, vous risquez de rester marié spirituellement. Spirituellement, si votre partenaire, votre ex-mari ou ex-femme est dans les ténèbres, vous risquez de rester marié tant que vous ne renoncez pas, tant que vous ne coupez pas. Tant que vous ne coupez pas, vous risquez d'être marié. Et effectivement, bien aimé, quand on fait les délivrances, même pour des gens divorcés, on entend le mari ou la femme qui réclame encore, qui dit qu'on ne s'est pas séparé. Et pourtant, sur le papier, écoutez-moi très bien, vous pouvez être séparé, le divorcer sur le papier, mais pas divorcer spirituellement. Spirituellement, on vous réclame encore. C'est le village. Vous êtes attaché encore au village. Malgré que l'État a reconnu le divorce, vous êtes encore attaché au village. Il faut renoncer à ça dans le nom de Jésus. Quand vous avez eu à côtoyer quelqu'un qui est dans les ténèbres, quand vous avez eu à côtoyer une personne qui ne connaît pas Dieu, qui pratique des fétiches, il faut renoncer au lien que vous avez pu tisser avec cette personne. Il faut renoncer dans la prière. Il faut détacher ce lien. Il faut couper ce lien. Il faut détruire ce lien au nom de Jésus pour que ce lien ne puisse pas vous réclamer. C'est très important. Est-ce que vous me comprenez? Alléluia! Il faut détacher ce lien. C'est pour cela qu'il y a des personnes, malgré qu'elles sont divorcées, avec leur ex-mari ou ex-femme, mais vivent toujours des oppressions. Elles ne comprennent pas. Mais ce monsieur en est déjà divorcé. Il veut quoi? En réalité, vous êtes divorcé dans le papier. Oui, sur le papier, c'est signé. Mais spirituellement, vous êtes encore ensemble. Spirituellement, il sait que vous êtes encore ensemble. Et il va continuer, il va vouloir continuer à vous réclamer. Il faut détruire cela au nom de Jésus. Quelqu'un pose la question. Maman, il y a une question. Et si on ne trouve plus les fétiches ou les objets? C'est pas un problème. Si tu ne trouves plus les fétiches ou les objets, mais renonce dans la prière. Dis ce qu'on t'a donné. Je renonce à ce parfum au nom de Jésus. Je renonce à cette poudre que je mettais au nom puissant de Jésus. Je renonce à toute pratique que je faisais. Faut renoncer. Tant que vous avez renoncé à ça, c'est très bien. Il faut renoncer. Parce que si vous ne renoncez pas, ça peut vous réclamer. Cette chose peut vous suivre. Il faut renoncer à ça. Alléluia. Il faut renoncer à ça dans le nom de Jésus. Le village peut vous réclamer. Quand vous vous retrouvez toujours dans votre salle de classe, quand vous étiez en primaire, il y a une réclamation sur vous. Quand vous vous retrouvez dans le rêve, vous vous retrouvez dans votre maison, il y a une réclamation sur vous. Moi qui vous parle personnellement, bien aimé, j'ai grandi à Boissy-Saint-Léger. J'ai grandi à Boissy, j'ai fait mes études à Boissy, le collège, un peu le lycée, j'ai fait à Vitry-sur-Seine. Mais souvent, je faisais des songes où je me retrouvais encore à Boissy. Dans la maison, j'ai grandi chez ma sœur, dans la maison de ma sœur, je me retrouvais toujours. Le Seigneur m'a montré beaucoup de choses par rapport à une certaine famille qui était là à côté de nous. Mais en fait, bien aimé, quand j'ai vu qu'à chaque fois je retournais toujours à Boissy, je me suis révoltée. J'ai dit, qu'est-ce que je fais à Boissy à chaque fois? Si je rêve tout le temps que je me retrouve à Boissy, c'est qu'il y a quelque chose qui me réclame. Il y a un truc qui cherche, il y a un truc où il y a quelque chose qu'on a dû dire sur moi, mais en tout cas, il y a quelque chose, je ne peux pas me retrouver toujours à Boissy. J'ai commencé à prier pour renoncer à tout ce qui a pu se faire, tout ce que j'ai pu faire moi personnellement peut-être à Boissy, ou tout ce qu'on a pu faire sur moi. J'ai commencé à couper ça. J'ai commencé à couper. Parce que des fois, la ville où tu as vécu peut te réclamer. Il y a peut-être quelque chose que tu as fait, on a fait sur toi. Quelque chose que tu as fait toi. Quelque chose que tu avais dit. Qui peut te réclamer là-bas? Il faut refuser cela dans le nom de Jésus. Il faut couper. Le village peut être la ville dans laquelle tu as grandi. Le village peut être le pays, un certain pays où tu as été. Le village peut être quelque chose, un lien avec quelqu'un, un lien d'âme. Il faut couper les liens d'âme.
Tu ne vois plus la personne, mais parce que vous avez fait un lien, la personne te réclame encore. Il faut refuser cela dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Il faut refuser cela. Bien-aimé, les liens qui peuvent aussi te réclamer, le village qui peut te réclamer. Peut-être que par le passé, si vous êtes un homme, vous avez promis le mariage à quelqu'un. Vous avez promis le mariage à quelqu'un, mais finalement, vous n'avez pas épousé cette personne. Vous avez blessé cette personne. Peut-être que vous êtes aussi une femme. Quelqu'un vous avait demandé en mariage. Vous aviez dit oui, mais après, vous avez fui cette personne. Après, vous avez disparu. Après, la personne a peut-être donné même sa dot. A donné la dot, a vu les parents, mais vous ne l'aimiez pas. Vous avez disparu. Il y aura quelque chose qui va vous suivre. Il faut renoncer. Il faut couper. Demander pardon au Seigneur et couper le lien. Parce que cela peut vous poursuivre. Alléluia. Vous avez promis le mariage à quelqu'un, mais vous n'avez pas tenu votre promesse. Vous avez promis des choses à quelqu'un, vous n'avez pas tenu votre promesse. Vous savez, même Dieu n'aime pas les gens qui font des vœux et qui ne les accomplissent pas. Tu fais des vœux à Dieu n'importe comment. Seigneur, je vais te faire ça. Seigneur, je serai toujours à l'église. Seigneur, je vais te servir. Mais finalement, tu ne le fais pas. On ne joue pas avec le nom de Dieu. Pareil pour les gens bien-aimés, les personnes autour de vous, quand vous faites des promesses, vous n'accomplissez pas ça. Ça peut créer une amertume, ça peut créer un regret, ça peut créer une atmosphère chez la personne qui va faire qu'il y aura un lien qui va vous suivre. Il faut couper ça, il faut renoncer, il faut demander pardon. Alléluia. Peut-être que vous êtes une femme, quelque chose qui peut vous réclamer. Peut-être que vous êtes une femme et que dans votre vie, vous avez passé votre temps à jouer avec les hommes, faire semblant que vous les aimiez, juste pour soutirer de l'argent. Faire semblant que vous étiez d'accord avec eux, juste pour tirer de l'argent. Vous aviez 1, 2, 3, 4 hommes. Le matin, vous êtes avec un autre. Midi, avec un autre. Le soir, avec un autre. Pour prendre leur argent. Mais finalement, dans votre cœur, ces gens-là n'étaient même pas dans votre cœur. C'est-à-dire, l'autre croit qu'il est tout seul. Que c'est lui, c'est avec lui que vous êtes. Mais vous êtes là que pour soutirer de l'argent. Et aujourd'hui, vous êtes enfant de Dieu. Vous devez renoncer à ça. Seigneur, je renonce à cette vie. Je renonce à ces choses que je faisais. Je demande pardon. Vous vous repentez d'abord et vous renoncez. Vous coupez. Vous coupez le fil. Vous coupez le fil. Alléluia. Il faut un détachement. Il faut couper le fil. Dans le village où vous êtes attaché, on doit vous détacher. Vous devez détacher. Vous devez détacher la corde qui vous retient dans le nom de Jésus. Vous devez détacher cela. C'est très important. C'est pour cela que vous vous posez des questions des fois, mais je prie, j'aime le Seigneur, pourquoi il y a des choses qui ne vont pas? Des fois, dans le village, dans notre passé, dans notre source, dans notre famille, il y a quelque chose qui s'attache encore à nous et que nous avons oublié de renoncer et que nous avons oublié de couper. Faisons très attention. Faisons très attention. C'est pour cela, j'insiste encore, pour ceux qui sont divorcés, qui disent, ah moi, cet homme-là, on est déjà divorcé, c'est terminé. Vous êtes sûr que vous êtes divorcé? Faites attention aux choses que vous avez dit à cette personne. Faites attention. Il y a d'autres personnes, peut-être que dans votre vie, quand vous avez accepté Jésus, mais en étant chrétien, vous avez trompé votre mari. En étant chrétien, vous avez trompé votre femme. Vous devez renoncer à cette vie et demander pardon au Seigneur. Alléluia. Vous devez renoncer à cette vie. Vous détacher, vous séparer totalement de cette vie. Vous séparer totalement de cette chose. Demandez un pardon sincère. Renoncez, coupez le fil pour que rien ne vienne bloquer votre bénédiction. Pour que rien ne vienne vous empêcher de toucher à votre héritage. N'oubliez pas, bien-aimé, vous pouvez avoir droit à quelque chose légalement, mais ne pas vivre cette chose-là. Vous pouvez avoir le droit, vous avez le droit de la bénédiction légalement. Jésus vous l'a donné. Mais faites attention, vous devez aussi vivre la bénédiction dans la réalité et ne pas avoir le droit légalement, mais finalement ne pas vivre la bénédiction. L'apôtre Paul dit, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Tu peux être héritier et vivre la vie d'un esclave. Pourquoi? Il y a quelque chose qui te réclame, il y a quelque chose qui te lie. Il faut couper cela dans le nom de Jésus. Alléluia. Il faut couper cela. Faites attention, surtout les dettes. Chrétien, bon chrétien, tu aimes prier, c'est très bien, tu pries, mais tu as un problème. Au niveau de dette, des dettes, tu ne rembourses jamais les dettes. Tu prends les dettes, tu ne rembourses pas. Même quand tu as l'argent, on vient te demander, tu ne rembourses pas. Tu ignores la personne. Tu ne peux pas vivre une vie bénie.
et pourtant Jésus est mort pour toi, tu risques de ne pas vivre une vie bénie. Tu es, peut-être que tu étais enceinte, mais en étant enceinte, tu es partie avec un autre homme. Vous pensez que cet enfant qui est dans le ventre va être neutre comme ça? L'enfant risque, va avoir, pas même pas risque, l'enfant va avoir d'autres semences qui vont être sur lui. Il faut renoncer à cela. Il faut refuser cela. Il faut détruire ce lien. Il faut couper cela pour que vous puissiez rentrer pleinement dans votre bénédiction. La bénédiction que le Seigneur vous a donnée. Alléluia. Je lis encore une fois et nous allons prier. Luc 19, 29. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne appelée Montagne des Oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples en disant « Allez au village qui est en face. Quand vous y serez, entrez, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. » Détachez-le. Bien-aimé, tu dois détacher tout ce qui te retient au village. Tu dois retourner au village. Détacher tout ce qui peut te retenir. Ça peut être les idoles familiales. Ça peut être les caractères familiales. Ça peut être les idoles de coutume. Ça peut être n'importe quoi qui te retient. Tu dois briser cela dans le nom de Jésus. Que rien ne puisse retenir ta vie dans ton passé. Que rien ne puisse retenir, que rien ne puisse bloquer ta bénédiction. La bénédiction, elle est à toi. La vie glorieuse en Christ, elle est à toi. Mais tu dois détacher les liens qui peuvent faire entrave à ta bénédiction. Tu dois détacher les liens qui peuvent bloquer ta vie. Tu dois détacher les liens qui peuvent bloquer ta famille. Tu dois détacher ces liens. Alléluia. Tu dois détacher ces liens. Il n'est pas normal, bien-aimé, d'être enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu, mais tu es enfant de Dieu, tu vas à l'église et tout, mais tu sens et tu vis une vie où tu es attaché à la pornographie. Il y a une malédiction. Tu dois couper ce lien. Tu dois confesser ton péché et détruire ce lien au nom de Jésus. Détruire toute alliance que tu peux avoir avec la pornographie. Détruire cela parce que ça t'empêchera de vivre la bénédiction que Dieu t'a donnée. Tu ne peux pas vivre ça. Tu dois renoncer, tu dois confesser et détruire cette chose au nom de Jésus. Et prendre tous tes liens là où tu regardes, tu détruis. Si tu as des livres, tu brûles. Si tu as des trucs, tu brûles. Tu renonces, tu te sépares complètement. Pas seulement faire la prière et après demain retourner encore. Tu te sépares complètement. Retourne au village. Sépare-toi de tout ce qui te retient. Retourne au village. Bien-aimé, il y a peut-être des personnes ici qui sont connectées ici. Et finalement, vous aviez eu des rapports avec des gens de votre famille. Peut-être avec un cousin, peut-être avec un frère, peut-être avec, je ne sais pas, votre père. Il y a eu des incestes que vous avez faits. Vous devez renoncer. Il faut renoncer aux liens d'âme. Renoncer, couper avec cette personne. Renoncer, couper les liens d'âme avec cette personne pour que vous puissiez vivre une vie glorieuse. Pour que vous puissiez vivre la bénédiction. Il faut complètement couper. Demander au Seigneur, déclarer que tu renonces au lien d'âme avec un tel. Je renonce, je coupe tout lien d'âme entre moi et le cousin. Je coupe tout lien d'âme entre moi et le frère. Je coupe tout lien. Il faut couper. Se séparer ne suffit pas. Se séparer, dire bon, on ne le fera plus jamais. Vraiment, il faut couper et renoncer à cela. Pour que vous puissiez vivre une vie bénie. Parce que sinon, cette chose va toujours vous réclamer. L'inceste va toujours vous réclamer. Et faites attention parce que ça peut aussi descendre sur vos enfants. Donc il faut refuser cela. Il faut se détacher de cela. Il faut renoncer à cela. Il faut couper, il faut séparer les âmes dans la prière. Dites une séparation entre moi et un tel. Je me sépare au nom de Jésus. Je me sépare au nom de Jésus. Je me sépare. Je renonce à cet acte que j'ai commis avec mon frère. Je renonce à cet acte que j'ai commis avec mon cousin. Et je me sépare de lui à partir d'aujourd'hui. Je sépare mon âme de son âme. Je prends l'épée de l'esprit. Je sépare mon âme de son âme au nom de Jésus. Alléluia. Vous devez refuser cela dans le nom de Jésus. Parce que ce sont des liens qui... Ce sont des liens, en fait, qui réclament, qui vous attachent au village. Qui vous attachent au village. Il faut refuser cela. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Il y a des personnes bien-aimées qui souffrent de cela. Qui sont chrétiennes, mais qui ont du mal à dire que j'ai eu des rapports avec mon frère, j'ai eu des rapports avec ma soeur, j'ai eu des rapports avec mon cousin, qui sont passés par l'inceste et qui n'arrivent pas à dire. Vous devez renoncer. Alléluia. Parce que l'inceste est un esprit. Il faut traiter cet esprit-là.
Il faut traiter l'esprit d'inceste et aussi détruire cette malédiction. Détruire cette malédiction par le feu et renoncer à toute pratique que vous avez faite avec cette personne dans le nom de Jésus. Alléluia. Pareil aussi pour les chrétiens qui se sont retrouvés dans l'homosexualité ou encore dans le lesbianisme. Il y a des gens aussi, oui, qui prient, qui aiment le Seigneur, mais qui sont passés par là, dans leur passé. Dans ton passé, tu as eu à sortir une femme, mais tu es sorti avec des femmes. Dans ton passé, tu es un homme, mais tu es sorti avec des hommes. Et tu le caches. Tu dois renoncer à ça. Tu dois couper les liens parce que ça peut te bloquer. Ça peut t'attacher, quoi que tu pries, mais ça t'attache encore. Pourquoi? Parce que tu n'as pas renoncé. Tu n'as pas confessé. Tu n'as pas demandé pardon. Tu n'as pas refusé et tu ne l'as pas dit. Tu peux parler à ton pasteur. Tu peux parler. Le but, c'est pas, on va pas divulguer ta vie. Ce n'est pas ça. Au contraire, on va prier et on va t'aider à sortir de cette chose-là. Il faut le dire, il faut parler, il n'y a pas de honte. Quand tu vas chez le médecin, si tu as un problème dans ton appareil génital, je pense que tu vas montrer à ton médecin. Tu n'auras pas honte. Pour nous les femmes, on va chez les gynéco, on n'a pas de honte. Pareil, quand tu viens chez l'homme de Dieu, tu viens, parle. En fait, tu dois, comme disait le pasteur, la nudité. Il faut parler. Voilà mon problème, voilà mon problème. J'ai eu, dans ma vie, je suis sortie avec des femmes. Dans ma vie, je suis sortie avec des hommes. J'ai pratiqué l'homosexualité. J'ai pratiqué ceci. Il faut le dire. On va prier. Le fait que vous confessez déjà, vous coupez la tête de cet esprit. Le fait que vous confessez déjà, vous détruisez la force de cet esprit et vous l'anéantissez complètement. Ça ne reviendra plus dans ta vie. Et tu seras complètement libre. Il faut le dire. Il y a des gens qui souffrent de ces choses. Dans votre vie, peut-être, vous avez été violé. Exemple, vous avez été violé. Il faut renoncer à l'esprit de cette personne. Il faut renoncer au lien d'âme parce que le fait d'être... d'avoir été victime du viol, ça peut créer un lien d'âme en vous. Déjà, il y a le remords, il y a la colère, il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans votre vie et il y a le lien d'âme. Donc, il faut briser ce lien d'âme-là au nom de Jésus. Il faut vous séparer, que toutes les mauvaises semences de cette personne soient détruites. Mais quand vous ne parlez pas, vous ne dites rien, vous priez seulement, « Oh Seigneur, merci, je sais que... » Mais entre-temps, vous avez été victime de viol. Il faut renoncer au lien d'âme, renoncer, 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 au nom de Jésus. Alléluia, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Il faut renoncer, c'est très important. Alléluia, vous devez briser cet esprit, vous devez détruire cet esprit, parce que quand on a été violé, cet esprit peut ramener l'instabilité dans votre propre mariage. Cet esprit peut ramener l'instabilité dans votre propre mariage. Vous êtes marié, mais vous ne jouissez pas du mariage parce que vous avez été victime de viol et ça a créé des choses en vous. Vous avez du mal à jouir du mariage. Vous avez du mal à être épanoui avec votre époux. Vous avez du mal, ça ne passe pas. Or, il faut renoncer à cet esprit, détruire cet esprit, briser cet esprit dans le nom de Jésus, afin que vous puissiez avoir une vie stable, un mariage stable, un mariage béni. Alléluia. C'est très important. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus, gloire à Dieu. Merci Seigneur, mes bien-aimés, sachez que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Alléluia, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis et nous sommes libres, légalement nous sommes libres. La liberté, elle est pour toi. Jésus-Christ t'a déjà donné le passe pour la liberté. Jésus-Christ t'a déjà donné le passeport pour la liberté. Jésus-Christ t'a déjà donné le vaccin pour la liberté. Maintenant, toi, fais attention qu'il n'y ait pas quelque chose qui te réclame dans le village. Qu'il n'y ait pas quelque chose qui t'attache dans le village, qui t'empêche de vivre dans ta liberté en Christ. Qui t'empêche de vivre dans cette liberté. Tu dois renoncer, tu dois couper, tu dois détruire tout esprit maléfique. Qui peut réclamer ta vie? Qui peut t'attacher? Tu dois renoncer à cela dans le nom de Jésus. Tu dois briser cela, tu dois détruire cela. Regarde dans ta famille, quel est le caractère dominant? Toi, tu dois renoncer. Tu dois t'éloigner spirituellement de tout ce qui peut se faire dans ta famille. Tu dois le dire dans la prière. Je renonce à l'esprit de colère. Je renonce à l'esprit d'instabilité. Je renonce, je refuse cela au nom de Jésus. Je me détache, je m'éloigne au nom de Jésus. Je coupe tout lien qui m'attache à l'instabilité. Je coupe tout lien qui m'attache à la maladie. Je coupe tout lien qui m'attache à la polygamie. Je coupe tout lien, je détruis cela et je déclare que je suis un enfant de Dieu. Je suis le temple du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons aller au village. Alléluia. Et nous allons prier
Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Jésus. Que le Seigneur vous bénisse, vous êtes béni. Que le Seigneur vous bénisse, vous êtes béni par cet enseignement. Que le Seigneur vous bénisse, vraiment, qu'il vous bénisse. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia. Bien-aimé, tu vas prier avec nous. Tu vas dire merci au Seigneur ce soir. Tu vas dire, Seigneur, je te remercie ce soir. Merci car c'est pour la liberté que tu m'as affranchi. Merci car ton désir est que je sois totalement libre. Ton désir est que je puisse jouir de la liberté, que je puisse jouir de la bénédiction, que je puisse jouir de la grâce, que je puisse jouir de la faveur. Seigneur, ta volonté est que je sois dans la liberté, que je vive plutôt la liberté totale. Alors je te dis merci. Commence à dire merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Alléluia. Dis merci au Seigneur dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, dis merci au Seigneur. Oui, Seigneur, je te remercie ce soir. Merci pour ton amour. Merci, Seigneur, pour cet enseignement. Merci, car c'est pour la liberté que tu m'as affranchi, Seigneur. C'est pour la liberté, Seigneur, que tu es mort pour moi à la croix. C'est pour, Seigneur, la liberté que tu es venu sur la terre afin que je sois, Seigneur, complètement libre, libre du péché, libre de la malédiction, libre de toute réclamation, Seigneur. C'est pour ma liberté, Seigneur, que ton sang a coulé à la croix de Golgotha. Alors, je te dis merci. Merci, Seigneur, au Dieu de gloire, car tu veux que je sois complètement libre. Merci, Seigneur, car ta volonté est que je sois détaché de tout lien qui peut réclamer ma vie, qui peut réclamer ma famille, qui peut réclamer ma maison. Je te dis merci ce soir. Reçois la gloire, reçois la louange, reçois la magnificence. Je viens encore te célébrer ce soir. Merci pour ta parole, Seigneur, au Dieu de gloire, qui m'a encore fortifié. Merci pour ta parole, Seigneur, qui m'a encore ouvert les yeux. Car il est écrit dans ta parole, mon peuple périt par faute de connaissance. Seigneur, merci car tu m'as donné la connaissance ce soir encore, afin que je ne puisse pas périr, afin que je ne puisse pas tomber. Reçois la gloire, reçois la louange, reçois la magnificence. Seigneur, que cet enseignement puisse encore donner, Seigneur, la clarté à mon âme, la clarté à mon esprit, la clarté à mon intelligence spirituelle, afin que je puisse marcher en nouveauté de vie dans le nom de Jésus. Reçois la gloire, Seigneur. Je te bénis, je te loue, je te magnifie au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, alors que tu as écouté tout ce que j'ai pu te dire depuis le début, nous voulons nous repentir encore devant le Seigneur. Peut-être que dans la petite liste que j'ai donnée tout à l'heure, de caractéristiques, des choses qui peuvent nous réclamer, peut-être que tu t'es retrouvé dedans. Tu t'es peut-être retrouvé dans plusieurs choses. Tu t'es retrouvé dans une catégorie. Et cette catégorie constitue un village. Constitue le village qui t'a attaché. Alors tu vas demander pardon. Nous voulons demander pardon au Seigneur. Pour toute chose que nous avons faite, pour tout péché que nous avons commis dans notre passé, ou encore que nous commettons encore aujourd'hui, et qui nous attache finalement. On se rend compte que cette chose nous attache, cette chose nous réclame. Tu étais peut-être ignorant, mais aujourd'hui tu sais, tu vas demander pardon. Peut-être que tu fais partie de ceux qui prennent des dettes mais qui ne remboursent pas. Peut-être que tu fais partie de ceux, bien-aimés, qui ont eu une vie frivole, mais qui ne se sont jamais détachés leur âme de leur partenaire passé, de leur ex-partenaire. Peut-être que tu fais partie de ceux qui ont passé leur temps à prendre de l'argent aux hommes. Juste pour toi, tu prends de l'argent, mais tu le fais juste par avarice, tu le fais juste parce que tu avais une vie de frivolité. Tu vas demander pardon. Tu vas demander pardon car c'est les choses qui peuvent te réclamer. Cet argent que tu as pris, que tu prenais alors que tu trompais quelqu'un, tu trompais la personne, tu faisais semblant que tu l'aimais mais tu ne l'aimais pas juste pour prendre son argent, cet argent peut te réclamer. Tu vas demander pardon au Seigneur. Demandons pardon au Seigneur pour tout péché que nous commettons et pour tout péché qui dans notre passé, qu'on a fait passer juste, on se disait « oh c'est rien », mais que le Saint-Esprit t'a rappelé ce soir que c'est un péché. Commence à demander pardon au Seigneur dans le nom de Jésus. Demande pardon au Seigneur ce soir. Oui Seigneur, je viens encore devant le trône de ta grâce te demander pardon. Seigneur, je reconnais encore mon péché ce soir. Pardonne-moi Seigneur tout péché que j'ai commis, oh Dieu, et qui peut constituer Seigneur un lien dans mon village, qui peut constituer un lien Seigneur dans le village, dans mon passé Seigneur. Oui, j'ai compris que le village peut être mon passé. Seigneur, je te demande pardon. Pardonne-moi Seigneur tout acte maléfique que je pratiquais, Seigneur, et auquel je n'ai pas renoncé.
Je te demande pardon, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur, ô Dieu de gloire. Toute chose que je faisais, Seigneur, auquel je n'avais pas, Seigneur, pensé à demander pardon. Je te demande pardon ce soir. Pardonne-moi, Seigneur, ô Dieu de gloire. Tout ce que j'ai pu faire, Seigneur, avec les voyants. Pardonne-moi, Seigneur, ô Dieu de gloire. Tout ce que j'ai pu faire avec les hommes. Pardonne-moi, Seigneur, ô Dieu de gloire. Toute ma vie, Seigneur, tout ce que j'ai pu faire. Peut-être que j'ai fait du mal à quelqu'un dans le passé, consciemment, mais j'avais fait du mal à cette personne. Je te demande pardon, Seigneur. Pardonne-moi tout péché qui peut constituer un lien qui me réclame encore aujourd'hui. Pardonne-moi, Seigneur, toute pratique maléfique qui peut constituer un lien qui m'attache encore aujourd'hui. Pardonne-moi, Seigneur, toute chose qui peut constituer un lien qui me réclame encore aujourd'hui. Je te demande pardon, Seigneur. Pardonne-moi. Pardonne aussi, Seigneur, les péchés de mes parents. Pardonne les péchés de ma famille. Pardonne les péchés, Seigneur, ô Dieu, de ma maison. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne le péché de ma famille, ce péché qui domine dans ma famille, auquel je n'ai même pas renoncé, auquel je ne me suis pas détaché, auquel, Seigneur, je ne me suis pas éloigné. Je te demande pardon. Pardonne-moi ce soir. Pardonne-moi, Seigneur, car je reconnais que le péché m'éloigne de toi. Je reconnais que le péché, Seigneur, ramène la malédiction dans ma maison. Je reconnais que le péché, Seigneur, ramène un lien qui me bloque, qui m'empêche d'avancer. Je te demande pardon. Pardonne-moi, Seigneur, et fais-moi grâce ce soir. Pardonne-moi, Seigneur, et fais-moi grâce ce soir dans le nom puissant de Jésus. 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 Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Bien-aimé, tu vas prier et tu vas encore demander au Saint-Esprit de te remplir encore ce soir. Dis au Saint-Esprit, cher Saint-Esprit, j'ai encore besoin de toi. Remplis-moi ce soir de la tête à la plante de mes pieds, que je sois rempli de toi. Saint-Esprit, remplis-moi de toi. Je refuse d'être rempli d'autre chose. Je veux être rempli de toi. Je veux être rempli de ta grâce. Je veux être rempli de ta puissance. Je veux être rempli de ton caractère. Je veux être rempli de ta vie. Saint-Esprit, remplis-moi ce soir dans le nom de Jésus. Qu'il te remplisse de son feu, qu'il te remplisse de sa grâce, qu'il te remplisse de sa puissance, qu'il te remplisse de son caractère, qu'il te remplisse, bien-aimé, que le Saint-Esprit puisse te remplir. Remplis-moi de toi, Saint-Esprit, esprit de vie. Il est l'esprit de vie, il est l'esprit de puissance, il est l'esprit de pardon, il est l'esprit de consécration, il est l'esprit d'intelligence, il est l'esprit de sagesse, il est l'esprit de la crainte de l'Éternel, il est l'esprit de grâce. Oui, demande au Saint-Esprit de te remplir ce soir, qu'il te remplisse de son feu dans le nom de Jésus. Quand le Saint-Esprit te remplit de son feu détruit tout lien qui peut retenir ta vie. Son feu détruit toute chose qui peut retenir ta vie, qui peut constituer un lien dans ton corps. Oui, appelle le feu du Saint-Esprit, appelle la puissance du Saint-Esprit dans ta vie, dans le nom de Jésus, 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 dans le nom de Jésus. Prie avec moi, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oui, Saint-Esprit, remplis-moi encore ce soir. Oui, Saint-Esprit, remplis-moi de ta puissance ce soir. Oui, Saint-Esprit, remplis-moi de ton feu ce soir. Oui, Saint-Esprit, remplis-moi, alléluia, de ton vent ce soir. Saint-Esprit, remplis-moi de ta grâce ce soir. Remplis-moi, oui, remplis-moi de la tête à la plante de mes pieds. Je veux être rempli de toi. Saint-Esprit, esprit de grâce, remplis ma vie ce soir. Esprit de puissance, remplis ma vie ce soir. Esprit de feu, remplis ma vie ce soir. Esprit de sagesse, remplis ma vie ce soir. Esprit de guérison, remplis ma vie ce soir. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Que ton feu soit dans ma bouche. Que ton feu soit dans mes mains. Que ton feu soit dans mes pieds. Dans le nom de Jésus. Très cher Saint-Esprit, remplis-moi ce soir de ton de ta grâce. Remplis-moi ce soir de ton feu. Remplis-moi ce soir de ta puissance. Et que tout lien maléfique qui attache ma vie soit coupé ce soir. Soit anéanti ce soir. Tout lien des ténèbres qui me retient dans le village soit détruit ce soir dans le nom puissant de Jésus, 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 dans le nom de Jésus. Alléluia. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas prier avec moi et tu vas dire avec moi ce soir, au nom puissant de Jésus, alors que je me tiens à la porte de minuit, alléluia, je coupe tout lien maléfique qui me retient dans le village au nom de Jésus. Je coupe tout lien maléfique qui me retient dans le village au nom puissant de Jésus.
Bien-aimé, tu as compris que le village, c'est ta maison. Le village, c'est ta source. Le village, c'est ta fondation. Le village, c'est ton passé. Le village, ça peut représenter beaucoup de choses. Alors, commence à couper. Au nom puissant de Jésus, alors que je me tiens à la porte de minuit, je viens couper tout lien maléfique qui me retient dans mon village au nom puissant de Jésus, qui me retient dans le village au nom puissant de Jésus, qui me retient dans la maison de mon père au nom de Jésus. Tu vas développer dans la maison de ton père, dans la maison de ta mère, dans la maison de ta belle famille. Il y a des gens qui sont retenus dans la maison de leur belle famille. C'est-à-dire tu n'avais rien de spécial. Mais parce que tu t'es marié avec cette personne, alors on a pris tes empreintes, on t'a attaché dans la belle famille et on te combat directement. Alors commence à couper ces liens dans le nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, commence à couper ce lien, commence à couper ce lien au nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus, je déclare ce soir, alléluia, je déclare ce soir que je viens couper, je coupe tout lien maléfique qui me retient dans le village au nom puissant de Jésus. Je coupe tout lien maléfique qui me retient dans le village au nom puissant de Jésus. Tout lien des ténèbres qui retient ma santé dans le village, je coupe cela ce soir au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, alors que je me tiens à la porte de minuit, je viens couper ce soir tout lien maléfique qui me retient dans le village, qui me retient dans la maison de mon père, qui me retient dans la maison de ma mère, dans le nom puissant de Jésus. Je viens couper ce soir tout lien des ténèbres qui retient ma santé dans le village au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je viens couper ce soir tout lien maléfique qui retient mes finances dans le village au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je viens couper ce soir tout lien maléfique qui retient mes enfants dans le village au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je prends l'épée de l'esprit et je viens couper ce soir tout lien des ténèbres, tout lien de la sorcellerie, tout lien des esprits des eaux qui retient ma vie, qui retient un domaine de ma vie dans le village, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, continue à couper cela dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, 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 au nom puissant de Jésus. Alléluia. Commence, continue à couper, continue à couper dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, tu vas prier. Peut-être qu'il y a un joug sur ta vie. Le joug, bien-aimé, c'est l'oppression. Le joug, ça peut être la maladie. Le joug, c'est la souffrance. Le joug, c'est la douleur. Le joug, c'est quelque chose qui est sur toi et qui à chaque fois te fait souffrir. Alors, tu vas condamner cela au nom puissant de Jésus. Tu vas dire avec moi au nom puissant de Jésus. Alors que je me tiens à la porte de minuit, je condamne tout joug, alléluia, je condamne tout joug sur ma vie au nom puissant de Jésus. Je condamne tout joug qui est sur ma vie au nom de Jésus. Commence à condamner cela. Tout joug qui est sur ta vie, qui vient du village, condamne cela au nom de Jésus. Toute oppression qui est sur ta vie, qui vient du village, condamne cela au nom de Jésus. Bien-aimé, toute souffrance qui est sur ta vie et qui vient du village, condamne cela au nom puissant de Jésus. Déclare avec moi, au nom puissant de Jésus, je déclare ce soir que je condamne tout joug sur ma vie au nom puissant de Jésus. Je condamne tout joug, tu vas le dire mieux, je condamne tout joug qui est sur ma vie dans le nom puissant de Jésus. Je condamne tout joug qui est sur ma vie au nom de Jésus. Je vais condamner ce soir tout joug qui est sur ma maison dans le nom puissant de Jésus. Tout joug qui a été imposé par mon village sur moi, je le condamne ce soir dans le nom puissant de Jésus. Je condamne tout joug de malheur au nom puissant de Jésus. Je condamne tout joug de maladie sur ma vie dans le nom puissant de Jésus. Je condamne tout joug de malédiction qui est sur ma vie au nom puissant de Jésus. Je condamne tout joug d'échec qui est sur ma vie dans le nom puissant de Jésus. Je condamne tout joug de frustration qui est sur ma vie dans le nom puissant de Jésus. Je condamne tout joug d'instabilité qui est sur ma vie dans le nom puissant de Jésus. Je condamne tout joug d'instabilité qui est sur ma vie dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus.
condamne ce joug, condamne ce joug. Toi, tu as été déjà libre, tu jouis de la liberté par Jésus-Christ. Tu as déjà reçu ta liberté en Christ. La croix de Christ t'a donné la liberté. Alors condamne ce joug qui est sur ta vie. Condamne ce joug qui ramène toujours le malheur sur ta vie. Dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Commence à condamner, continue à condamner dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je condamne tout joug qui est sur ma maison, dans le nom puissant de Jésus. Je condamne tout joug qui est sur la vie de mes enfants, au nom puissant de Jésus. Je condamne tout joug de la sorcellerie, tout joug des ténèbres qu'on a mis sur ma vie, dans le nom puissant de Jésus. Je condamne cela, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia, au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, j'ai dit beaucoup de choses dans cet enseignement. Peut-être que tu es attaché, ton âme est attachée à quelqu'un. Peut-être que ton âme est attachée à un lieu. Peut-être que ton âme est attachée à une personne. Alors tu vas prier, tu vas dire, au nom puissant de Jésus, je renonce et je détache mon âme avec toute personne avec qui mon âme était liée au nom de Jésus. Peut-être que ton âme était liée à quelqu'un, à une amie, à un ex-partenaire, à quelqu'un. Je renonce et je détache mon âme avec toute personne avec qui mon âme était liée au nom de Jésus. Et je brise ce lien entre nous dans le nom de Jésus. Je brise ce lien entre nous dans le nom de Jésus. Je brise ce lien entre nous au nom de Jésus. Je renonce et je détache mon âme. Alléluia. Avec toute personne avec qui mon âme était liée. Bien-aimé, toi, si tu n'as pas eu quelqu'un avec qui ton âme était liée, peut-être que ça peut être un lieu, ça peut être une localité, ça peut être ton village, ça peut être ta ville, ça peut être la maison familiale. Tu aimais tellement la maison familiale que tu ne voulais même pas te marier. Tu dois briser cela. Je renonce et je détache mon âme de tout lieu auquel mon âme était liée. Vous voyez, de tout lieu auquel mon âme était liée. Je brise ce lien entre moi et ce lieu dans le nom de Jésus. Je renonce et je détache mon âme de tout lieu auquel mon âme était liée au nom puissant de Jésus. Si c'est une personne bien-aimée, toi tu parles de cette personne, tu peux même dire son nom dans le nom puissant de Jésus. Alors que je me tiens à la porte de minuit ce soir, je renonce et je détache mon âme avec toute personne avec qui mon âme était liée au nom puissant de Jésus. Et je déclare ce soir que je brise ce lien entre nous au nom de Jésus. Je déclare ce soir que je brise ce lien entre nous au nom de Jésus. Je renonce et je détache mon âme de tout lieu auquel mon âme était liée. Je renonce et je détache mon âme de tout lieu auquel mon âme était liée. Et je brise ce lien entre moi et ce lieu dans le nom de Jésus. Je brise ce lien entre moi et ce lieu dans le nom de Jésus. Je brise ce lien entre moi et ce lieu dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, s'il y a un lieu qui te réclame, s'il y a ton village qui te réclame, malgré que tu es en Europe, tu es dans un autre pays, mais le village te réclame seulement, la maison familiale te réclame seulement spirituellement, commence à renoncer, commence à te détacher, commence à refuser cela dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Je renonce ce soir. Je renonce et je détache mon âme avec toute personne avec qui mon âme était liée au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Et je déclare ce soir que je brise ce lien entre nous dans le nom de Jésus. 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 Au nom puissant de Jésus. Alléluia. 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 Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, peut-être qu'il y a un lien en toi caractériel par rapport à ta famille. Il y a un esprit, un lien, quelque chose qui revient toujours en toi. Et tu te bats avec ça, tu te bats avec ça. Tu vas prier avec moi, tu vas dire, Père, je renonce à tout esprit, toi-même tu connais, de colère, tout esprit d'insolence, tout esprit d'hypocrisie, tout esprit d'orgueil, tout esprit d'Akab. Akab représentait le mari de Jézabel, tout esprit de Jézabel, alléluia. Père, je renonce à tout esprit de, toi-même tu vas remplacer, de colère, d'Akab, de Jézabel, d'hypocrisie, d'orgueil, de fierté, de etc., etc. Je renonce à tout esprit et tu vas dire avec moi,
là où je me suis comportée d'une manière qui ne t'a pas plu, je te demande pardon ce soir. Là où je me suis comportée d'une manière qui ne t'a pas plu, je te demande pardon ce soir au nom de Jésus. Commence à demander pardon, commence à renoncer. Père, alors que je me tiens à la porte de minuit, je renonce à tout esprit de colère. Je renonce à tout esprit d'Akab. Je renonce à tout esprit de Jézabel. Je renonce à tout esprit d'immoralité. Je renonce à tout esprit, Seigneur, de mensonge. Je renonce à tout esprit, Seigneur, ô Dieu de gloire, de manque de pardon. Je renonce à tout esprit d'orgueil au nom de Jésus. Je renonce à tout esprit de haine au nom de Jésus. Je renonce à tout esprit de manque d'amour au nom de Jésus. Je renonce à tout esprit maléfique, à tout esprit de Jézabel, à tout esprit d'hypocrisie, à tout esprit, Seigneur, d'immoralité sexuelle. Je renonce à cela au nom de Jésus. Là où je me suis comporté d'une manière qui ne t'a pas plu, Seigneur, je te demande pardon. Là où je me suis comporté d'une manière qui ne t'a pas honoré, je te demande pardon ce soir. Là où je me suis comporté d'une manière, Seigneur, qui a fait honte, Seigneur, à cet enfant de Dieu que je suis, je te demande pardon. Je renonce, bien-aimé, renonce à tout esprit maléfique auquel toi-même tu te reconnais. Renonce à cela, car cela constitue un lien. Renonce à cela au nom de Jésus. Je renonce à tout esprit caractériel de ma famille au nom de Jésus. Peut-être que ta famille, bien-aimé, ta famille, les femmes dominent. Tu as l'esprit de domination. Renonce à cela dans le nom de Jésus. 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 Je renonce à cela ce soir, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Toi-même, tu sais exactement quel est l'esprit qui agit souvent dans ta vie. Renonce à cela dans le nom puissant de Jésus. Renonce à cela dans le nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia, au nom de Jésus. Bien-aimés, il y a des villages, des familles, des sources qui sont contrôlées par des esprits des eaux, qui sont contrôlés peut-être par des esprits de sorcellerie, qui sont contrôlés par plusieurs sortes d'esprits, des esprits de famille. Alors tu vas prier, tu vas dire encore, au nom puissant de Jésus, je coupe toute alliance avec les esprits des eaux, les esprits de voyance, les esprits de sorcellerie, les esprits des idoles familiales, au nom puissant de Jésus. Je coupe toute alliance, coupe cela au nom de Jésus. Je coupe toute alliance avec les esprits des eaux, au nom puissant de Jésus. Je coupe toute alliance avec les esprits de voyance, au nom de Jésus. Je coupe toute alliance avec les esprits de sorcellerie, au nom de Jésus. Je coupe toute alliance avec les esprits des idoles familiales, au nom de Jésus. Je coupe toute alliance avec les esprits des coutumes, au nom de Jésus. Peut-être que ce qui te réclame vient de tes coutumes. Peut-être que ce qui te réclame vient, bien-aimé, de ta famille. Peut-être que ce qui te réclame vient de ton passé, vient du fait que tu voyais les voyants. Commence à couper toute alliance au nom de Jésus. Coupe toute alliance, commence à couper, détache ce lien, coupe cette corde au nom puissant de Jésus. Je coupe toute alliance avec les esprits des eaux au nom puissant de Jésus. Je coupe toute alliance avec les esprits de voyance au nom de Jésus. Je coupe toute alliance avec les esprits de sorcellerie au nom de Jésus. Je coupe toute alliance avec les esprits d'idoles familiales dans le nom puissant de Jésus. Je coupe toute alliance avec les esprits des ténèbres dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, je coupe toute alliance maintenant au nom de Jésus. Je coupe toute alliance maintenant au nom de Jésus. Bien-aimé, coupe toute alliance entre toi et les esprits des ténèbres au nom de Jésus. Je coupe toute alliance avec les esprits de sorcellerie dans le nom puissant de Jésus. Je coupe toute alliance avec les esprits des eaux dans le nom de Jésus. Je coupe toute alliance avec les esprits de mari de nuit au nom de Jésus. Tu rêves souvent les maris de nuit qui viennent, tu rêves que tu es marié avec des gens que tu ne vois pas, que tu ne connais pas. Je coupe toute alliance avec les esprits de mari de nuit, avec les esprits des eaux dans le nom puissant de Jésus. Je coupe toute alliance avec les esprits des idoles familiales dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Coupe toute alliance, bien-aimé, au nom puissant de Jésus, 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 au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas maintenant condamner. Alléluia. Tu vas dire avec moi, je condamne toute langue qui s'élève contre ma vie à tous les niveaux au nom de Jésus. Je condamne toute langue qui s'élève contre ma vie à tous les niveaux, dans tous les domaines, dans le nom puissant de Jésus. Commence à condamner toute langue qui s'élève contre toi, toute langue qui veut te garder lié, toute langue qui veut réclamer ta vie, qui veut réclamer tes enfants, commence à la condamner, car Dieu a dit, toute langue qui se lèvera en jugement contre toi, tu la condamneras. Commence à condamner, au nom puissant de Jésus.
Alors que je me tiens à la porte de minuit, je viens condamner. Je condamne toute langue qui s'élève contre ma vie à tous les niveaux, au nom puissant de Jésus. Alors que je me tiens à la porte de minuit ce soir, je condamne toute langue qui s'élève contre ma vie dans le nom puissant de Jésus. Je condamne toute langue qui s'élève contre ma maison à tous les niveaux dans le nom de Jésus. Je condamne toute langue qui s'élève contre ma vie, contre ma maison, contre mes enfants, contre mon mariage dans le nom puissant de Jésus. Alors que je me tiens à la porte de minuit, je condamne toute langue qui s'élève contre ma vie, qui s'élève contre mon avenir, qui s'élève contre moi dans le nom puissant de Jésus. Je viens condamner toute langue qui parle contre ma vie, qui parle contre ma maison, qui parle contre mon avenir, qui parle contre mes enfants, qui parle contre mon futur dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, condamne cette langue qui parle contre toi. Condamne cette langue qui est en train de dire, qui est en train de vouloir te condamner. Toi, condamne-la. Dieu te dit, tu dois condamner cette langue. Tu la condamneras. Toute langue qui s'élèvera contre toi en jugement, tu la condamneras. Commence à condamner cette langue dans le nom puissant de Jésus. Cette langue qui veut te garder au village. Cette langue qui veut déclarer des mauvaises choses sur toi pour te garder attaché dans le village. Commence à condamner cette langue dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Je condamne ce soir. Je condamne ce soir toute langue qui s'élève contre ma vie à tous les niveaux dans le nom puissant de Jésus. Je condamne ce soir toute langue qui s'élève contre ma santé dans le nom puissant de Jésus. Je condamne ce soir toute langue qui s'élève contre mon travail dans le nom puissant de Jésus. Je viens condamner ce soir toute langue qui s'élève contre mon avancée dans le nom de Jésus. Je viens condamner ce soir toute langue qui s'élève contre ma vie, contre ma maison, contre mon futur dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, condamne cette langue-là. Condamne cette langue-là au nom puissant de Jésus. Cette langue qui te condamne, cette langue qui s'élève contre toi dans le nom de Jésus. Condamne-la au nom puissant de Jésus. 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 Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas faire une prière de foi. Le Seigneur a dit, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Tout ce que vous délierez sur la terre sera délié au ciel. Il t'a donné l'autorité de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra te nuire. Alléluia. Alors tu vas faire cette prière qui est très importante. Tu vas faire cette prière qui est très importante. Tu vas dire avec moi, au nom puissant de Jésus, je commande à tout esprit qui attache ma vie à se manifester, à s'identifier et à se révéler lui-même au nom de Jésus. C'est une prière très importante parce que vous allez voir des choses dans votre nuit. Vous allez voir des choses cette nuit où je parle ici. Je commande à tout esprit qui attache ma vie à se manifester, s'identifier et se révéler lui-même au nom puissant de Jésus. Commande à cet esprit qui attache ta vie à s'identifier. Tu dois connaître ça. Commande à cet esprit qui attache ta vie à se manifester. Tu dois voir quel est cet esprit qui est à l'origine du problème que tu es en train de vivre. Quel est cet esprit qui est à l'origine de la situation que tu es en train de vivre. Quel est cet esprit qui est à l'origine de la maladie qui n'arrête pas de tourner dans ta famille. Quel est cet esprit qui est à l'origine du problème que tu vis dans ton foyer. Au nom de Jésus, je commande à tout esprit qui attache ma vie à se manifester, à s'identifier et à se révéler au nom de Jésus. Identifie-toi, manifeste-toi et révèle-toi au nom puissant de Jésus. Je commande à tout esprit qui attache ma vie à se manifester maintenant, dans le nom puissant de Jésus, à se manifester. Tout esprit qui se cache derrière ma situation, tout esprit qui se cache derrière ta situation, va se révéler au nom de Jésus. Tout esprit qui se cache derrière le problème de ton enfant va se révéler au nom de Jésus. Tout esprit qui se cache derrière ta situation va se révéler au nom puissant de Jésus. 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 Tout esprit qui se cache derrière la situation catastrophique de ta famille va se manifester au nom puissant de Jésus. 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 Qui se manifeste, qui s'identifie et qui se révèle lui-même sans que tu ne fasses d'effort au nom de Jésus, qui se révèle lui-même. Quand tu vas dormir, que tu le vois dans les rêves, que le Saint-Esprit t'ouvre les yeux pour que tu puisses voir l'origine, la source de ce problème, que tu puisses savoir quelle est l'origine
de ton problème. D'où vient cette situation qui est en train de perdurer dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Ce qui est caché dans le village, que cela te soit révélé au nom de Jésus. Ce qui est caché dans le village, que cela te soit révélé dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas prier maintenant et tu vas te bénir. Tu vas déclarer la bénédiction sur toi-même. Tu vas dire avec moi, au nom puissant de Jésus, je libère sur moi et ma maison l'esprit de courage, de zèle, d'intelligence, de bonne volonté, de bénédiction, de service, d'obéissance, de créativité, l'esprit de fertilité, l'esprit de richesse, l'esprit de grâce, l'esprit de faveur. Libère ces choses sur ta vie au nom de Jésus. Libère l'esprit de miracle sur ta vie. Libère l'esprit de repentance sur ta vie. Libère l'esprit de pureté sur ta vie. Libère l'esprit de louange sur ta vie. Libère des bonnes choses sur ta vie au nom de Jésus. Commence à te bénir dans le nom puissant de Jésus. Commence à te bénir au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Commence à te bénir dans le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alors que je me tiens à la porte de minuit, je libère sur moi l'esprit de guérison, l'esprit de force, l'esprit de faveur, l'esprit de richesse, l'esprit d'avancement, l'esprit de grâce, l'esprit de puissance, l'esprit de bonne nouvelle, l'esprit d'obéissance, l'esprit de créativité, l'esprit d'invention, l'esprit de maturité. Comment s'appeler des bonnes choses dans ta vie dans le nom de Jésus? L'esprit de richesse, l'esprit d'avancement, l'esprit de prospérité dans le nom puissant de Jésus, l'esprit de grâce au nom de Jésus. Au nom de Jésus, appelle sur toi. Appelle sur toi, libère sur ta vie ces esprits-là. Libère sur ta vie, au nom puissant de Jésus, je libère sur ma vie l'esprit d'honnêteté, l'esprit d'obéissance, l'esprit de maturité, l'esprit de bonne mémoire. Il y a des gens qui ont du mal à mémoriser. L'esprit de bonne mémoire, dans le nom de Jésus. L'esprit de guérison, l'esprit de miracle sur ma vie. L'esprit de parler en langue, au nom de Jésus. L'esprit de miracle, l'esprit de discernement des esprits, dans le nom puissant de Jésus. Commence à libérer cela sur toi, l'esprit d'abondance au nom de Jésus. Je libère sur ma vie l'esprit de grandeur, l'esprit d'abondance, l'esprit de succès, l'esprit de prospérité, l'esprit de plénitude au nom puissant de Jésus. L'esprit de réussite dans ma vie, dans le nom de Jésus. L'esprit de succès, je libère cela sur ma vie, je libère cela sur ma maison, je libère cela sur mes enfants, dans le nom puissant de Jésus. Je libère l'esprit de réussite, l'esprit d'abondance, l'esprit de prospérité, l'esprit de guérison. Dans le nom puissant de Jésus, 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 dans le nom puissant de Jésus. Oui, je libère sur toi l'esprit de prospérité. Je libère sur toi l'esprit de guérison au nom de Jésus. Je libère sur toi l'esprit de grâce et de faveur dans le nom puissant de Jésus. Je libère sur toi l'esprit d'avancement au nom puissant de Jésus. Je libère sur toi l'esprit d'abondance au nom de Jésus. Je libère sur toi l'esprit de plénitude dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, que la grandeur vienne dans ta maison, que la grâce vienne dans ta maison, que la faveur vienne dans ta maison. Oui, bien-aimé, que la prospérité te localise dans le nom de Jésus, dans tous les domaines de ta vie, spirituellement que tu sois prospère, dans le nom de Jésus, que la bonne santé te localise, dans le nom de Jésus, que la faveur te localise, au nom puissant de Jésus, 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 et que tout lien qui attachait ta vie soit coupé ce soir, au nom puissant de Jésus. Je coupe tout lien qui réclame ta vie dans le nom de Jésus. Je retourne dans ton village par la puissance de l'Esprit et je coupe tout lien qui réclame ta vie au nom de Jésus. Tout lieu, tout environnement, toute ville qui réclame ta vie, je coupe tout lien qui te réclame dans le nom de Jésus. Tout lien qui t'a attaché au village, que cela soit coupé ce soir au nom puissant de Jésus. Tout lien qui t'a attaché dans la maison familiale, que cela soit coupé ce soir au nom puissant de Jésus. Tout lien qui t'a attaché dans ton passé, que cela soit coupé ce soir au nom puissant de Jésus. Tout lien qui t'a attaché à ta fondation, que cela soit coupé ce soir dans le nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tendre Père, merci. Alléluia. Merci pour l'exaucement. Dis avec moi, merci pour l'exaucement. Bénis le Seigneur. Vous pouvez aimer la vidéo. Vous pouvez aimer la vidéo, s'il vous plaît. Alléluia. Nous sommes arrivés à la fin. Je vais prier pour la fin. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Alléluia. Tendre Père, nous te disons merci. Merci pour l'exaucement. Merci de nous avoir ouvert les yeux, Seigneur. Merci de nous avoir donné encore la connaissance, Seigneur, oh Dieu, de ce qui se passe dans le monde spirituel.
afin que nous ne puissions plus jamais tomber dans le panneau, que nous ne puissions plus jamais tomber dans le péché, que nous ne puissions plus jamais tomber, Seigneur, dans les pièges du diable. Parce que nous savons que, Seigneur, le diable est le père du mensonge et tout ce qu'il veut faire, c'est de nous garder dans les liens alors que tu nous as donné la liberté. Seigneur de gloire, merci, merci, garde-nous fidèles à toi. Bénis ton peuple, Seigneur, bénis tes enfants, bénis chaque personne qui a suivi, Seigneur, cette session de prière du soir. Et que, Seigneur, chacun puisse vivre et voir, Seigneur, la différence dans leur vie. Que chacun puisse vivre et voir, Seigneur, oh Dieu, ta liberté. Qu'ils puissent vivre et voir tes miracles dans leur vie, dans le nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, garde-nous fidèles à toi. Préserve-nous, Seigneur, et permets que nous puissions être là, Seigneur, tout à l'heure à 4h30 pour dévancer l'aurore, pour notre session du matin. Préserve-nous, Seigneur, et garde-nous fidèles à toi. Cette nuit entre tes mains, protège tes enfants, Seigneur. Sois une muraille de feu autour d'eux, Seigneur, et que les anges attachés à chaque personne qui est connectée ici, soient envoyés dans chaque maison, dans chaque famille. Que chaque ange, Seigneur, l'ange de chaque personne puisse faire ministère ce soir dans le nom de Jésus. Et que ce soir soit une nuit de révélation, une nuit de grâce, une nuit de faveur. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons trois fois Amen, 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 Amen. Que le Seigneur vous bénisse, nous sommes arrivés à la fin. Soyez bénis. Si c'est pour vous la première fois d'être connecté sur la tour de prière semeur, s'il vous plaît, cliquez juste sur s'abonner et sur la cloche des notifications. Alléluia. Alors n'oublions pas, demain matin, tout à l'heure nous avons notre session, demain matin, en fait c'est déjà tout à l'heure, notre session de dévancer l'aurore, la session du matin avec le pasteur, et ensuite on se retrouvera à 18h, et on va se retrouver encore demain mercredi, je ferai la guerre de minuit exceptionnellement par rapport au programme. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Si vous avez été béni, aimez la vidéo, partagez la vidéo, mettez juste béni, béni, béni. Vous pouvez joindre la tour de prière Summer. Le vendredi, on sera à Corbeil-Essonnes de 18h à 20h. Nous avons notre culte de prière et d'enseignement. Et le dimanche, nous avons deux cultes. Le premier culte est à 11h, le deuxième à 13h30. Et nous sommes au 1 rue Fernand Reynaud, la zone industrielle de la Port, Paris, 91100, Corbeil-Essonnes. Gloire à Dieu. N'oublions pas, bien aimé, l'opération maison de prière. L'opération maison de prière. Vous pouvez faire une offrande par PayPal. Voilà, vous pouvez faire une offrande par PayPal. Et le PayPal, quand vous faites une offrande par PayPal, mettez que vous voulez donner de l'argent. Beaucoup cherchent à faire des offrandes, mais ils me demandent de l'argent. Donc, ça fait comme si c'est vous qui demandez de l'argent à la TPS. Regardez bien la section, c'est « Envoyer » et non pas « Demander ». Voilà, faites attention. C'est bien « Envoyer ». Voilà. Vous avez aussi... le Orange Money de la tour de prière Summer qui est là. Voilà, qui est là. Vous pouvez aussi envoyer par le Orange Money et cela va nous parvenir sans problème. Sinon, vous pouvez aussi faire un transfert pour soutenir la tour de prière Summer. On a besoin vraiment d'avoir notre maison de prière bien aimée parce que nous devons être libres. Amen. Servir Dieu dans la liberté tranquillement. C'est très important. Donc voilà, que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve donc tout à l'heure à 4h pour... dévancer l'aurore. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui ont donné leurs offrandes. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui ont aimé la vidéo. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui ont partagé la vidéo. Soyez bénis. Mais en tout cas, s'il y a des choses qui vous paraissent un peu compliquées, que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à poser des questions. Je vais répondre à vos questions. Voilà. Posez les questions aux modératrices. Elles vont me faire parvenir. Et à la prochaine session, je vais vous répondre sans problème. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Ne restez pas avec des questionnements, vous ne comprenez pas, non. Si vous n'avez pas compris, posez la question et on va essayer de vous éclaircir. Que le Seigneur vous bénisse et je vous dis donc à très bientôt. Je vous souhaite donc une excellente nuit dans la présence de Dieu. On se retrouve donc tout à l'heure. Soyez bénis. Ciao, ciao, ciao. Jésus est bon, il est tellement bon, rempli de compassion et d'amour. Aïe, Jésus est bon, il est bon, aïe, il est bon, aïe, il est bon, aïe, mon papa est bon, il est bon, il est rempli d'amour, Jésus est, il est bon, il est rempli de compassion, Jésus, il est bon, il est rempli de joie, Jésus.
Il est bon, chantons son nom, il est bon, Jésus est. Il est bon.
abonnez-vous à notre chaîne YouTube Tour de Prière Semeur pour plus d'édification. Que Dieu vous bénisse.